Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Moa, on se retrouve pour la première du Late Euro. J'ai avec moi pas mal de beaux gosses, on va dire. Du coup, j'ai Vanny qui est avec moi aujourd'hui. Hello. Et puis, j'ai Monsieur Firebolt. Comment tu vas, Quentin? Bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, merci. Très heureux d'être présent. Et toi, comment vas-tu? Écoute, moi ça va au top, hein. Ça va super bien. On est content. Aujourd'hui, c'est un peu l'émission zéro, on va dire. C'est la première. C'est on va un peu s'imprégner de tout ce qui est 7 euros, on va dire, qui sont les forces en présence, de comment on va se briller, qui va tabasser ce bracket surtout, les joueurs à suivre. Du coup, on va peut-être commencer par faire un petit tour de table. Du coup, Quentin, toi, c'est quoi ton ressenti, ton degré de hype par rapport à l'euro? Écoute, j'ai mis du temps un peu à me hype. Les matchs de l'équipe de France n'aidant pas à se hype vraiment pour un quelconque tournoi. Mais je pense que plus on avance, plus cette hype arrive. Et c'est un tournoi de l'été qu'on n'a pas eu depuis l'Euro 2021, qui reste une grosse frustration dans ma tête. On Donc ne j'ai parle pas, on très ne hâte. parle pas, on ne parle pas. N'en parle pas, mais voilà, donc j'ai très hâte de voir déjà rien que le match d'ouverture me hype énormément, pas pour forcément l'affiche, mais on en parlera aussi, mais juste le début de la compétition, et voilà, j'ai juste très hâte. Vanny, toi du coup, ton degré un peu de hype, tout ça, où est-ce que t'en es, toi? En fait, depuis quelques années, il y a beaucoup, beaucoup de foot à droite, à gauche, et derrière. C'est vrai que quand toute l'année on a une compète et une autre compète et une troisième compète, et même quand on fait rien, et t'as quand même l'International Champions Cup aux États-Unis, ou t'as la finale de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. C'est vrai qu'il y a un peu plus de mal qu'avant à se dire ouais, c'est trop cool, on a une compète qui arrive, tac tac tac, on va bouffer du foot matin, midi et soir. Donc la hype pré-compétition, elle est moins présente. Cependant, je garde en souvenir la Coupe du Monde 2022, où avant les premiers matchs, on disait à droite, à gauche, il n'y a pas de hype, cette Coupe du Monde, elle va bider, etc. Et en fait, dès lors qu'on a du foot sous les yeux, dès lors qu'on a des matchs qui comptent, là pour le coup, d'un coup, ça explose. Et je pense que pour 7 euros, ça va être pareil. Vraiment. Dans le sens où. Alors, déjà, il y a des gens qui n'ont pas accès au football parce que, effectivement, beaucoup de compétitions sont devenues payantes. Effectivement, la Ligue 1, on ne sait pas si on va payer 25 balles ou plus par mois. Il y a la Ligue des Champions, il faut avoir Canal+ ou RMC, ce n'est pas à la portée de tout le C'est que monde. Canal maintenant, ce sera que Canal maintenant. Non mais je parlais pour là Ah oui, pour le effectivement. passé, mais effectivement tu as raison, c'est Canal qui prend les je crois 400 matchs peut-être européens, bon bref. En tout cas, pour le coup, il y a quand même des personnes qui ont un peu ce dégoût de ah, il y a moins d'accès au foot, ou alors faut passer parfois par des sites de streaming, etc., avec 3 minutes de décalage, l'image qui coupe, etc. Et dès lors qu'on a du foot à l'échelle nationale, ça explose en fait. Mais on n'a pas encore eu de match. Pour moi, c'est à partir de lundi, quand on va avoir France-Autriche, que là vraiment on va le sentir. Là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont être devant leur télé, regarder ça avec des potes, etc. Ça va devenir vraiment, ça va devenir un événement social. Mais à titre personnel, j'avoue que je suis encore un peu sonné de cette fin de Ligue des Champions. Ah. En tant que supporter du PSG qui a vu son équipe mettre 6 poteaux sans marquer de but. T'inquiète pas, ça va aller, poteau. Oui, non, mais je sais bien, ça va être Mbappé qui va faire ça avec le maillot bleu maintenant. Mais non, plus sérieusement, le niveau de hype est quand même assez fort en réalité chez moi. Surtout que l'euro, c'est un niveau super dense, mine de rien. Et c'est mon affect du foot, des sélections. Et là où, pour le coup, autant les clubs, il peut y avoir des gigascores,
Bon, bah voilà, ok, City roule sur l'Angleterre, et puis le Real il roule sur l'Europe, et puis machin, et puis Paris roule sur la France, etc. Là, pour le coup, le foot des sélections, c'est un foot moins parfait parce que les équipes ont moins le temps de se préparer, les joueurs ont moins l'habitude de se côtoyer, il y a moins d'automatisme, il faut faire avec des absences, et pour le coup, tu ne peux pas transférer un joueur. Tu peux virer un joueur, genre Lacazette, mais tu ne peux pas prendre deux joueurs. Donc pour le coup, c'est une dynamique très intéressante et moi j'adore voir le foot de sélection pour notamment ce genre de choses. En fait, Imo, en fait, le truc du chat, le truc du football de sélection, c'est surtout que tu peux, enfin, c'est plus un football qui a tendance à rassembler des nations plutôt que des sympathisants de clubs, en vrai. Je sais pas ce que c'est ton avis là-dessus, Quentin, toi? Bah, moi je trouve quand même que effectivement le football des nations bah, rassemble déjà beaucoup plus, mais parce que bah, c'est toute une nation, tu vois. Donc du coup forcément ça rassemble plus de monde et on est plus unis déjà dans le supporterisme. Et en même temps, il y a moins de diversité, mais on est un peu tous contre les autres. Enfin, c'est vraiment un sport différent. On se rend compte que c'est des compétitions. Bah, bien sûr, par naissance, par nature, sont différentes, mais apportent vraiment quelque chose d'en plus. Et c'est super Alors, je intéressant, précise. c'est super, comment dire, rafraîchissant en fait, de voir ce genre de compétition. Alors, je précise que quand Quentin parle de diversité, ce n'est pas une diversité d'origine, d'ethnie, etc. C'est une diversité de supporters. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est tous pour les bleus. Il n'y a pas un supporter vert, un supporter bleu, un supporter jaune. Non, là, pour le coup, en Exact. France, on est tous pour l'équipe de France. Hormis, vas-y, quelques gars qui bon, ont plus envie de troller qu'autre chose. Souffle à Moos, hein. Nous soufflâmes très fort. Bah du coup, on va peut-être commencer par un truc qui serait tout aussi intéressant. Du coup, si tu peux, on peut commencer un petit tour des stades dans lesquels va avoir lieu cette compétition. Quentin, du coup? Oui. Vu que c'est Bien. toi qui m'en as parlé, du coup, je vais te Bien le laisser. sûr. Bien sûr. Alors, du coup, on va faire un petit tour des stats. Si tu les as, on va pouvoir y aller Je les ai, plutôt je les que. ai, je les ai à l'image, je les ai à Super. l'écran. Donc, par ordre alphabétique. Hein. On a donc le stade de Si Berlin, tu là veux, aussi. par contre, si tu veux, par contre, je prononce les noms complets en allemand, Non, mais si ça tu va. as Moi, je. besoin. Non, j'ai pas besoin. Je ne te pas. Nous avons donc. On commence d'abord par le stade qui va organiser la finale du tournoi. C'est-à-dire le stade. L'Olympiastadion de Berlin. Les souvenirs. Là où se déroulera donc la finale, forcément dans la capitale allemande. Ensuite, normalement, donc, je crois que c'est le plus grand stade de la compétition, avec 71 000 places. Oui, c'est ça. Il me semble qu'effectivement, il y En aura plus. termes de cap, en termes de capacité UEFA, oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, Sinon, l'Espoir Stadium. voilà. Donc, on a celui de Berlin, ensuite, on a celui de Cologne qui s'appelle donc le Rhein-Energie Stadium. Qui lui, je crois, est un des plus petits, donc si on se réfère encore au niveau de la capacité UEFA. Ensuite, on a donc le Signal Iduna Park ou Westfalenstadion, apparemment 66 000, Apparemment. enfin en capacité, apparemment Apparemment. 66 000, mais Place voilà, assise, ouais. affluence record 83 000 spectateurs. Stade mythique, évidemment. Un stade de Dortmund Le mur dans jaune. lequel iront jouer les Bleus lors de Contre la Pologne. contre la Pologne et aussi organisera et comment dire recevra une demi-finale. Ensuite, on a Alors la juste Düsseldorf. petite J'en précision prie. avant que tu continues, petite précision donc pour nos spectateurs, c'est que en Allemagne il y a la culture du stade avec des gradins debout, notamment justement le stade de Dortmund avec le fameux mur jaune où les supporters ne vont pas être assis. Là on parle de la tribune dans le virage. Pour le coup, il y a 13 000, 15 000, 17 000 personnes qui sont debout. Donc pour le coup, il n'y a pas de siège. Par contre, En fait, lorsqu'il y ils a ont mis des des matchs strikes. internationaux, des compétitions UEFA, Monde est là pour le assis. coup, on doit installer, des sièges. Et du coup, c'est là où ça passe de 80 000 à 66 000. Moi, tu voulais parler? Oui, c'est pour ça en fait, ils ont mis des gradins, enfin ils ont mis des strapontins un peu comme dans un métro quoi pour dans la tribune. Exact. Et je crois qu'ils ont fait pareil au nouveau stade de Tottenham, je crois.
Ensuite, du coup, on a effectivement un tour de. On a le. Pardon, le stade de Düsseldorf, le Mercure-Spiel Arena, Très qui, beau, hein. lui, est à 50, 47, 47 000 en capacité. Ensuite, on a la Frankfurt Arena, basée à Francfort. On a à Gelsenkirchen le stade de Schalke 04, pardon, l'Arena of Schalke. Ensuite, on a Hambourg, au nord du pays, avec le Volkspark Stadion. Donc, tu peux descendre. Oui, c'est bon, je Avec vois. une capacité de 50 000 places. Ensuite, nous avons la Red Bull Arena à Leipzig, avec une capacité de 46 000 places. Et enfin, pour finir, nos deux derniers, les deux derniers stades du sud, le stade de Stuttgart, donc c'est la MHP Arena, ou la Stuttgart Arena, qu'importe. Et avant ça, bien sûr, nous avons l'Allianz Arena de Munich, là où le tournoi demain va être ouvert. Le tournoi s'ouvrira demain à l'Allianz Arena, donc sur la pelouse du Bayern Munich. Et le stade accueillera aussi une demi-finale en même temps que le stade de Dortmund. C'est peut-être l'un des Alors, plus beaux stades petite de la précision compétition, le... geek. Vas-y, vas-y. Ah, je suis pas si sûr. Mais alors, petite précision geek. Pour le coup, au niveau des noms de stades, la plupart des noms de stades ont du naming. Donc, on parle de Dortmund, c'est pas le BVB Stadion, comme dirait un gars de haut micro. Non, c'est le Signal Iduna Park, qu'on appelle historiquement, avec son nom ancien, le Westfalen Stadion, parce que c'est dans le parc du Westfalen. Et. Pour le coup, effectivement, dès qu'il y a un nom de naming pour les compétitions nationales UEFA, FIFA, pour le coup, on est obligé d'enlever le naming, sauf si bien évidemment c'est un sponsor de la compétition. Donc on aurait eu un stade Qatar Airways par exemple, et eh ben il se serait appelé le stade Qatar Airways. On aurait eu Ouais. un stade, voilà, on aurait eu un stade Budweiser à la Coupe du Monde, et eh ben il garderait ce nom-là. Donc pour le coup, effectivement, il y a des différences de noms, donc il y aura des noms un peu génériques, on aura l'impression un peu d'être dans PES à l'époque PlayStation 2, effectivement avec ces plusieurs stades. Par contre, du coup, sur le plan géographique, eh bien, comme à la Coupe du Monde 2006, eh bien, il n'y a qu'un seul stade dans la partie est-allemande, donc dans l'ancienne RDA, c'est Leipzig. Pour le coup, effectivement, le stade de Leipzig. Qui a été créé à l'époque pour ça. C'est-à-dire que pour le coup, sans le stade de Leipzig, tous les stades de la Coupe du Monde 2006 auraient été dans l'Allemagne de l'Ouest, sachant que la réunification datait de moins de 20 ans à ce moment-là. Eh bien, c'était très important pour l'Allemagne. En plus, quand ils ont pesé leur candidature, on était encore au XXe siècle, c'était tout frais. C'était très important pour l'Allemagne d'avoir, à travers le foot, cette réunification des deux Allemagnes entre RFA à l'ouest et RDA à l'est. Et donc, on avait construit ce stade à Leipzig, alors qu'il n'y avait pas d'équipe professionnelle dans Leipzig. Il n'y avait aucune équipe professionnelle dans la ville. Quelques années plus tard, Red Bull a senti le filon. Ils ont racheté un club de 5e division. Et l'ont fait grimper de division en division pour en faire le Rasenballsport Leipzig, RB Leipzig qu'on connaît en Ligue des Champions maintenant depuis plusieurs années, un club qui a su s'installer alors qu'à la base il y avait quand même pas mal de protestations hein, à l'époque de ah oh, mais c'est le pognon, blablabla, etc. Voilà. Et les Allemands sont très attachés au fait qu'un club n'appartienne pas particulièrement à une entreprise, sauf bon exception historique type Bayer Leverkusen par exemple, C'est avec la règle notamment du la 50 règle plus 1. du 5. C'est ça, voilà, la règle du 50 plus 1. Et pour le coup, voilà, c'est quelque chose qu'on a retrouvé. C'est très important hein, le fait qu'il y ait une équipe de l'Allemagne de l'Est parce qu'il y a une vraie fracture économique. Hein. Pour le coup, le niveau de vie à l'Est est quand même plus faible qu'à l'Ouest, même au niveau des entreprises implémentées, etc. Il peut y avoir un peu ce côté de rejet qu'on pourrait retrouver en France sur la diagonale du vide. Vraiment, vous prenez le centre de la France ou peut-être. Des coins type le sud de la Champagne, le Limousin, etc. Enfin, c'est des coins qui se sentent parfois un petit peu en dehors de ce qui se passe dans le pays. Le Brésil avait fait pareil avec Manaus pour montrer que l'Amazonie faisait partie du Brésil. Et par contre, il n'y a pas d'équipe professionnelle en première division à Manaus. Donc le stade, c'est un peu comme ça,
malheureusement, un gâchis pour le Brésil. Je ne repense qu'à ce match de l'Angleterre qui s'était justement joué à Manaus pendant la Coupe du Monde 2014, où je crois que Oui, je à crois 3h du mat. non, c'était pas Non, que le match était à 3 heures du à mat. 3h du mat, c'était Côte d'Ivoire-Japon, pardon. C'était ça. Mais en fait, je crois qu'il y avait un joueur anglais, je sais plus lequel par contre, mais qui avait dit dans une interview après la Coupe du Monde qu'il avait perdu, je crois, 3 kilos juste sur ce match-là. Enfin, Ah oui, tellement pilote de F1, l'humidité en quoi. fait, ouais. Tellement l'humidité était forte en fait. Bah, du coup, on peut passer un peu au format de la compétition, messieurs. Donc, Ah, on a je un t'en peu prie. terminé ce tour de table. Bah, Bah, juste avant, vas-y, et vas-y, le stade le plus je beau. t'en prie, je t'en prie. Le stade le plus beau, votre avis? Volkswagen Oui, je dirais ça, soit lui, soit celui de Düsseldorf en vrai aussi, en vrai. Ah, le cube là? Ouais, je sais pas, je l'aime, enfin, je sais pas, je trouve bien, en vrai. En fait, Bah écoute, je trouve que le stade olympique de Berlin, je le trouve un peu générique, tu vois, un peu. Il est Le quand même, il est quand même cette fracture le, au milieu. le, le. Ouais, tu vois. Le Il y a cette veste. fracture au milieu, la piste d'athlée bleue, c'est vraiment. C'est là où je remarque que ouais, malheureusement, Discord a un peu de lag sur l'envoi. Donc c'est vrai qu'on va vite se marcher dessus. Il faut attendre une bonne seconde avant de pouvoir parler, parce que sinon, effectivement, on va se couper assez souvent. Le Westfalen Stadion, bah de toute façon, enfin, Quentin et moi, on en parle tout le temps, mais c'est l'un des stades que je vais le plus visiter depuis 20 ans, tu vois. Bon, forcément, je suis un peu biaisé. Et après, le truc, c'est que bah, l'Allemagne, bah, j'y suis jamais allé vraiment. J'ai partie de ces gens qui ont fait LV2 espagnol, donc bon. Forcément. Le stade de Gelsenkirchen, je trouve fade au possible. Le stade de Hambourg, en fait, le stade de Hambourg me fait penser à un stade de Première Ligue, dans l'idée. Dans le sens où, tu vois, toutes les tribunes sont hyper proches de la pelouse, tu vois, c'est. D'un point de vue strictement télégénique, ça doit être hyper cool à voir, tu vois. Bah, la Red Bull Arena, c'est un stade qui est comme son club, en plastique. Ah, il est bien. Non, moi je l'aime bien. Je l'aime bien ce stade. J'aime bien le fait d'avoir des tribunes hautes. Après, c'est peut-être bon, ma passion du foot américain avec les stades où, comme il y a 50 joueurs au bord du terrain, bah, tu peux pas mettre les spectateurs au bord terrain au même niveau parce que sinon ils voient rien. Mais moi j'aime bien cette petite perspective comme ça là. Et quand je l'avais découvert lors du Argentine-Mexique, là où il y avait 16 passes avant le but argentin, franchement, j'étais là, j'étais waouh! Franchement, j'aime bien le style, quoi. C'était un peu novateur. Puis bah, l'Allianz Arena, bah c'est ce stade quoi. Enfin, le seul truc qui manquera, c'est la musique quand il y a un but quoi du Bayern. Ouais. Non, bah après, de mon côté, c'est toujours le problème que j'ai avec les stades qui ont une piste d'athlétisme autour. Donc effectivement, je trouve ça toujours un peu regrettable d'avoir une finale dans ce genre de stade. Après, forcément, hein, quand il y a Wembley, c'est dur de faire mieux. Quand on voit une finale, voilà, c'est mine de rien. La finale de l'Euro précédent et de l'Euro suivant seront à Wembley. C'est vrai en plus. Donc, ben oui, et oui. Donc, non, c'est. Mais effectivement, là, la piste, même Stuttgart, pareil. Tu vois, c'est. Ah, j'ai vraiment du mal, quoi. Ça donne une perspective un peu plus grande du stade où tu as l'impression qu'effectivement, le stade est genre plus large, c'est un peu plus impressionnant. Mais en réalité, déjà, en tant que spectateur sur place, c'est super chiant. Et même le Stade de France, quand ils veulent un petit peu rabattre, quand ils rapprochent un petit peu les tribunes. Bah même là, on sent quand même une certaine distance. Et en plus de ça, bah derrière, même en télé, en fait, bah tu vois moins les fans. Donc tu vois moins finalement les mouvements en tribune, tu vois moins les virages avec les gens qui bougent, etc. Alors après, pour l'Euro, il n'y a pas de supporters ultra en soi. Mais je trouve ça quand même vraiment dommage. Et bon, bah, à titre esthétique, si on est dehors, bah, vous savez quoi, j'ai fait un petit tour là la semaine dernière, j'ai fait un petit tour de la vallée de la Ruhr et du Rhin. Donc le stade du Düsseldorf, de l'extérieur, il est brutal, mais ah, j'aime pas. C'est pour ça Après. que je disais que l'Allianz Arena, tu vois, c'était ce stade. Parce que forcément, l'Allianz Arena, c'est vraiment un stade qui se remarque de loin, genre, esthétiquement de loin, il se repère de super loin, quoi.
Oui, bah surtout avec l'éclairage en plus, c'est un peu plus loin dans la ville, c'est-à-dire que tu as une autoroute à côté. D'ailleurs, fun fact, j'ai été contrôlé par les policiers allemands pendant l'Oktoberfest, puisqu'ils ont contrôlé mon taux d'alcoolémie, qui était à zéro, hein, bien sûr, parce que je revenais de concert qui avait fini à 19h. Tu bois pas, hein, un concert qui finit à 19h. Et pour le coup, il m'avait contrôlé dans le parking de l'Allianz Arena, donc j'ai pu le voir un petit peu. Et c'est vrai que de l'extérieur, C'est de ça a la quand gueule, même quoi. de la tronche. Hein. C'est de la gueule, hein, clairement. Mais de l'intérieur, je vais dire, petit souvenir de la Coupe du Monde féminine qui avait eu lieu en Allemagne en 2011 avec donc Francfort qui avait vu notamment la finale. La finale qui avait vu aussi la France avoir son meilleur résultat. Demi-finale, effectivement, de la Coupe du Monde en 2011 pour les Françaises. Et le stade fait plus petit, mais je sais pas pourquoi. J'aime bien. Genre, l'aspect télé, j'aime bien. Voilà. Enfin, c'est. C'était les génies, quoi. Voilà. Ouais. Bah du coup, on va passer à la suite. On va peut-être parler un peu un peu ballon, parler un peu du format de cet Euro. Donc on a 24 équipes, des 24 équipes qui sont qualifiées, que ce soit par la phase de qualif ou certaines par la Ligue des Nations ou deux par des barrages. 24 équipes, Parler de ça. 24 équipes, 6 groupes de 4. Les deux premiers passent et les 4 meilleurs 6e sur les 6 groupes du coup. 4 meilleurs 3e sur les 6 groupes. Donc le dernier est Quel nom? forcément éliminé. Bah déjà un peu voir un peu pour un peu qui sont un peu les fausses impressions du coup on peut commencer par le groupe A donc Allemagne, Écosse, Hongrie, Est-ce Suisse. que on. Attends, je t'interromps 3 secondes. Est-ce qu'on parlerait pas d'abord du format un peu plus. Ouais, vas-y, je t'en prie, je t'en Comme prie, je ça, t'en prie. on. Comme ça, hop là. Je t'en prie, je t'en prie, vas-y, vas-y. Yes. Ok, alors déjà, il y a eu le format de qualification avant ça. Donc le format de qualification est passé par donc un format traditionnel que l'on connaît depuis des années avec l'Euro et la Coupe du Monde, avec plusieurs groupes, là où le premier ou les deux premiers passent. En l'occurrence, pour l'Euro à 24, ce sont les deux premiers de chaque groupe qui passent. En Coupe du Monde, c'est le premier et le deuxième va en barrage. Donc effectivement, bon, bah, là-dessus, toutes les grosses nations se sont qualifiées sans gros problème avec ce format. Et on a ensuite eu les barrages. Et cette fois, il y avait la fameuse Ligue des Nations qui est intervenue avec la Ligue A, la Ligue B et la Ligue C. Donc c'est bon, ils ont enfin compris que qualifier une équipe de la Ligue D, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc pour le coup, on a effectivement eu la Ligue B et la Ligue C qui ont chacun qualifié une équipe après un format à 4, donc demi-finale, finale. Et on a eu aussi le format de la Ligue A, sauf que eh ben, du côté de la Ligue A, eh ben, on avait à peu près tout le monde qui était qualifié quasiment. Donc on a dû rajouter une équipe de la Ligue C. En l'occurrence, c'était l'Estonie, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, l'Estonie qui a dû affronter la Pologne et qui s'est mangé un 5-1 affreux, vraiment genre bam, c'est bonjour, au revoir. Ils avaient absolument pas le niveau. Ils ont essayé. Mais ils ont essayé. Et du coup, c'est un format où certaines équipes peuvent, grâce à leur performance en Ligue des Nations, espérer se qualifier à l'Euro. Et derrière, il peut y avoir des calculs qui ressemblent un petit peu aux calculs qu'on a vus avec les playoffs de la première division belge, donc la Jupiler League, là où pour le coup, il y avait les 6 premiers qui étaient dans un morceau des playoffs et les 6 autres qui étaient dans un autre morceau des playoffs avec un qualifié. Sauf que finalement, c'était plus intéressant d'être 7e que 6e. Parce que 7e, bah, on affrontait que des équipes en dessous. Il suffisait de gagner tous nos matchs et ça passait. Alors que quand tu étais 6e, il fallait bah, au moins espérer gagner un match contre une équipe plus haute. Donc c'était un petit peu compliqué. Avec la Ligue des Nations, on a retrouvé un petit peu cet esprit. Alors de là à dire que la Grèce ou la Géorgie ont fait des calculs pour être en Ligue C plutôt qu'en Ligue B, pardon, je ne suis pas sûr, mais c'est possible. On a bien vu la Pologne qui, il y a une dizaine d'années, exploitait les failles du classement FIFA en faisant le moins de matchs amicaux possible pour finir tête de série à la Coupe du Monde en 2018, je crois.
Il y avait un... C'était en 2018, hein. Il y avait un truc du genre, ouais, je crois. Effectivement, donc pour le coup, voilà. Oui, c'était en 2018 qu'ils étaient tombés avec la Colombie. Ouais, c'est bon, j'ai le souvenir. La Colombie, le Sénégal et le Japon. Je crois. Non, je confonds avec 2022. Bon, anyway, navré, on parle de l'euro. Donc pour le coup, cet euro est un euro à 24, comme on l'a déjà connu en 2020 et en 2016. Ce format est beaucoup critiqué dans les grands pays de foot, mais c'est un format qui est adoré dans les plus petites nations. Parce que pour le coup, l'euro, et on retrouve la même chose pour la Coupe d'Afrique par exemple, on aura à la Coupe du Monde 2026 la même idée. C'est d'abord l'idée d'une compétition avec beaucoup d'équipes qui font la fête du football tout ensemble. Voilà, il y a vraiment cette notion de on joue ensemble, on fait ensemble cette compétition, on joue plein de matchs, etc. Et puis, c'est à partir des huitièmes de finale qu'on aura une compétition, entre guillemets, disputée. Mais donc, effectivement, ce format-là est utilisé beaucoup pour parler, pardon, parce que ça ramène plus d'audience, parce que ça fait plus de pays participants, donc plus de spectateurs qui vibrent, mine de rien, à travers l'euro. Et alors, nous autres, bon, bah, effectivement, nous autres Français, et on peut rajouter éventuellement peut-être les Espagnols, peut-être les Anglais ou même les Italiens, malgré le fait qu'ils participent plus à la Coupe du Monde depuis un moment. Mais pour le coup, effectivement, nous Français, bon, bah, on regarde ce format, on se dit, bon, voilà quoi, ok, super, la phase de poule, elle sert à rien. On dirait un peu des fans de City ou du Real Madrid en phase de, ou du Bayern Munich en phase de groupe de Ligue des Champions, ancien format. Maintenant, bah, pour tous les autres pays, mine de rien, c'est quelque chose qui fait vibrer les supporters. Et là, je parle même pas des tout petits pays parce que waouh, ils sont là une fois de temps en temps. Non, là, je parle vraiment de même les Belges, ils savent pas forcément s'ils vont passer. Les Néerlandais, ils savent pas forcément s'ils vont passer. Les Danois, ils savent pas forcément s'ils vont passer. Les Croates non plus. Enfin, vraiment, ce format-là, fait plus, je trouve, vibrer finalement. À la base, on se dit C'est oui, Upset bon, Land bah, surtout en ok, vrai. très bien. Pardon? C'est Upset Land en vrai. C'est un format où tu peux avoir Oui, des upsets à Upset chaque Land, ouais. match. Bah oui, et pour le coup. Le coup de maître avec ce format, c'est pas juste de se dire ok, bon, bah pour le coup, on a plus de chances d'être qualifié. Non, c'est qu'en fait, ça pousse, et on l'a vu avec la CAN cette année avec les Ivoiriens par exemple, ça pousse les gens à regarder les autres matchs et à vibrer avec les autres matchs. Donc en fait, ça a d'une certaine manière les avantages des paris sportifs sans les inconvénients. Tu vibres pour un match qui ne te concerne pas directement. Quand t'es Sans pour supporter neutre, t'es autant, très bien en vrai. c'est ça, sans pour autant avoir bon bah les méfaits, c'est-à-dire la dépendance, l'addiction, la perte d'argent, blablabla. Mais du coup, ce format-là finalement offre plus, il offre plus de sensations qu'un format classique avec deux qualifiés, deux éliminés. Ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas énormément de recul et que, en tant effectivement, je le redis, que supporter français, on s'ennuie un petit peu. Si vraiment on veut regarder que la France, bon bah voilà, super, très bien. Ça fait 10 ans qu'on est qualifié à la fin du deuxième match parce que waouh, on a les 6 points. Bon, ok. Mais voilà, je le redis, pour plein d'autres nations, eh ben c'est un format plutôt chouette. C'est un format vraiment chouette et c'est ça aussi qui va être utilisé pour la prochaine Ligue des Champions d'une autre manière. Le côté où il faut regarder les matchs des autres en même temps que son propre match. Ça, vraiment, je trouve que c'était un changement de format qui est positif pour l'aspect divertissement. Je suis d'accord dans le sens, bah, en fait, le truc c'est que quand t'es supporter neutre, c'est ce que je disais, quand t'es supporter neutre, c'est vraiment le format qui va te donner envie, genre de. Tu vois, juste de regarder. En fait, là je vais me mettre dans la peau d'un technocrate qui ne regarde pas de football, mais de consommer du football plus qu'autre chose en fait, genre. Oui, pur et dur, mais effectivement, c'est ça.
tu consommes Ouais, du ça, ouais. foot, enfin, c'est ce que je dis, enfin, c'est ce qu'on dit bah, sur le serveur Footix, c'est que bah, on mange comme des princes pendant un mois, quoi. Enfin, Oui, avec tous les là, jours, et c'est. c'est ce qu'on disait pendant la Coupe du Monde, on avait des matchs qui se déroulaient absolument tous les jours, et en fait, on vivait quasiment notre meilleure vie, puisqu'on était vraiment, en tant que fan de foot, servi, en fait. On On va nous avoir servait sur un 36 matchs en 12 plateau. jours. Voilà. Combien, t'as dit? Excuse-moi, j'ai 36 pas. matchs en 12 jours. 36 matchs en 12 jours, avec des matchs qui ne sont jamais, il me semble. Donc, comprenez si jamais j'ai tort, mais qui ne sont jamais au même temps, c'est-à-dire quand un s'arrête, Sauf l'autre commence. la dernière journée de poule. Et oui, la À dernière quoi? journée de poule, effectivement, on a des journées à 4 matchs, mais c'est deux matchs à 18h et deux matchs à 21h. Oui, bah D'accord. ça c'est la faute aux Allemands et aux Autrichiens, et bon, voilà quoi. Effectivement. Et en plus de ça, attendez, parce que ok, on se focalise sur l'euro, mais là, en ce moment, le matin, on a les news politiques, l'après-midi et le soir, on a l'euro, la nuit, on a la Copa América, je dors quand, moi? Jamais. Ouais, c'est quelque chose. Je veux dire, ok, là, niveau KO, je suis servi, hein. Ah oui, non, on en Mais. a du chaos, on en a du chaos là. Du coup, petite présentation des équipes là. On va le faire, ouais, assez rapide. On va faire un petit tour rapide Yes. parce que. Bon, Allons-y, ça les va, groupes. ça va. Groupe A, du coup, Allemagne, Écosse, Hongrie-Suisse. Bon, on va pas se mentir, pour moi, l'Allemagne, hyper favorite. Ah, mais clairement. Bah déjà, rien que le fait que les Allemands soient à la maison, c'est déjà un soft power dans l'histoire. Ah, mais clairement, bah, là, je crois que sur les derniers euros, la dernière équipe qui n'est pas arrivée en finale à la maison, c'était Pologne-Ukraine en 2012 et Autriche et Suisse en 2008. Mais sinon, quand on regarde bien, les Pays-Bas en 2000, le Portugal en 2004, la France en 2016, on peut considérer l'Angleterre en 2020 parce que la finale c'était chez eux et que tous leurs matchs en fait étaient chez eux. Et donc, non, moi je suis pas surpris, hein, mais l'Allemagne, ok, en Coupe du Monde ils n'ont pas performé, à l'Euro ils n'ont pas performé, ils ont eu un coup de mou, mais faut se rappeler à chaque fois du parcours qu'ils ont eu, hein, les Allemands. Là, si on regarde les dernières années, vous prenez l'Euro 2020, bon, bah, mine de rien, ils sont quand même dans le groupe de la France et du Portugal, C'est un et en groupe de la plus mort, hein. la Hongrie a été solide, il ne faut pas l'oublier, donc ils ont été troisième en donnant toute leur énergie face à la Hongrie, au Portugal et à la France. Donc faut y aller, quoi. Du coup, bah, quand ils ont affronté les Anglais, ils étaient cuits. Vraiment, les Allemands, ils étaient cuits. Et bon, bah, les Anglais, faut pas déconner, ils n'étaient pas mauvais, quoi. En 2022, à la Coupe du Monde, eh bah, ils sont tombés face à l'Espagne, qui, mine de rien, était finaliste de la Ligue des Nations. Et ouais, là aussi, il ne faut pas les oublier. Mais on va en parler de l'Espagne. Ils étaient aussi avec le Japon, donc encore une fois, groupe de la mort. Le Japon, mine de rien, ils ont été gigavalents. Et en plus de ça, l'Allemagne, quand on regarde le contenu des matchs, eh ben, contre Ils ont pas été l'Espagne, ils font ridicules, match hein. nul et franchement, voilà, ils méritaient de gagner. Contre le Japon, bah, ils perdent, mais avec 15 occasions, vraiment, ils sont pris l'esprit shonen en pleine tronche. Hein. Le projet Blue Lock. C'est clairement. Le projet Blue Ah ouais, non, Lock. mais c'est incroyable, vraiment. C'était du waouh, c'était du scénario de manga à fond, à fond, à fond. Et bon, bah, après, ils battent le Costa Rica, mais c'est trop tard. Non, pour le coup, l'Allemagne, même en 2018, enfin en 2018, mine de rien, pareil, encore un groupe très serré. La Corée, le Mexique, la Suède, ils battent la Suède à la dernière seconde. Et puis derrière, bon, bah, voilà, ils s'effondrent un petit peu ensuite face au Mexique. Non, enfin, mine de rien, Puis c'est deux buts dans les arrêts de jeu de à la chaque Corée aussi. fois, en fait, voilà, à chaque fois, ils ont eu un groupe très, très, très fort. Et franchement, on dirait Charles Leclerc, quoi. C'est waouh, c'est ok, il a que 6 victoires en Formule 1, mais tu regardes à chaque fois quand il est arrivé deuxième ou qu'il était sur le point de gagner, finalement, non, bah, le niveau est très fort. Très, très fort. Maintenant, de là à dire que les Allemands ont peut-être perdu le mental qu'ils avaient avant, la question par contre se pose.
Je suis d'accord. En vrai, le truc. En fait, surtout pour moi, ce qui a compté pour moi avec l'Allemagne, c'est plutôt la forme des joueurs. Genre, Florian Wirtz avec Leverkusen, la saison de zinzin qu'il fait. Enfin, ce que je disais il y a un mois encore, c'est que Wirtz, si Leverkusen prenait l'Europa League et si l'Allemagne prenait l'Euro à la maison, il rentrait dans la discussion pour le Ballon d'Or pour moi, tu vois. Ça reste de l'Europa League quand même. Hein. Ouais, mais enfin, tu vois la saison qu'ils font, le Leverkusen. Enfin, c'est pas. Ouais. C'est pas sous-estimé quoi. Enfin, ça reste de Ah l'Europa League, oui, ils certes, pouvaient pas faire mieux. mais ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est huge ce qu'ils ont fait, les Yakuza Mkotio. Ouais, mais bon, je continue de croire que un joueur en Europa League, il peut pas être sur le podium du Ballon d'Or, sauf vraiment si il gagne la première ligue et qu'il gagne la Coupe du Monde. Enfin, non, j'y crois. Mais bon, anyway, on n'est pas là pour parler de titres individuels. La Suisse, Imo, bon, là, il y a pas de mauvaise foi qui a parlé. La Suisse, Imo, il devrait sortir deuxième du groupe, je pense. Normalement. En fait, Quand même, les Hongrois. pour moi, en fait, ça dépend de si la Hongrie upset la Suisse ou pas, tu vois. Parce que si pour moi, la Hongrie qui bat la Suisse, c'est un upset. Enfin, quand même, la Hongrie invaincue en qualif, hein. C'est très vrai, très vrai. La Et oui. Hongrie, ça reste, on l'a vu à l'Euro 2021, ça reste une nation qui est vraiment très compliquée à jouer et qui peut embêter pas mal de monde. Et je pense qu'elle a aussi ses chances dans ce groupe-là, sachant qu'il ne faut pas oublier effectivement que le meilleur troisième est qualifié aussi, enfin certains des meilleurs troisièmes sont qualifiés Ça dépend pour la Suisse. d'où est le seuil de qualification en fait. Parce que des fois, enfin, tu peux avoir un seuil de Des qualification fois à c'est 3 trois points, points, des fois c'est quatre des points. fois ça peut être Oui. 4. Donc à Pas trop non 3, à 3 tu peux plus. rentrer dans la discussion, à 4 t'es forcément La qualifié, je Hongrie, en pense. fait, doit juste rebattre entre juste hein, l'Écosse, qui pour moi me paraît être l'adversaire le plus faible de ce groupe, On est d'accord. qui n'a jamais vraiment eu une vraie équipe nationale forte, on va dire. Il n'y a pas de joueur écossais. Il y a Anderson, le latéral de Liverpool, qui est écossais, mais McGinn. quand ton meilleur joueur est un latéral. Il y a Ouais. McGinn aussi en vrai. McGinn qui joue à Aston Villa. Je crois que c'est le Bien sûr. capitaine même d'ailleurs. Je dois admettre que depuis que Camara s'est fait les croisés, j'ai pas regardé un seul match de Aston Aston Villa. Villa, donc ouais. Déjà que je les regardais Bref, pas souvent, donc bon. Mais. cela dit, l'Écosse qui est devant la Norvège. Bon, ok, la Norvège, bon, ils ont presque que Haaland. J'ai bien dit presque. Mais Odegaard quand même. Hein. non, Non, enfin, non, non, ils ont beaucoup trop de oui, monde c'est pour ça, pour. c'est pour ça que je dis presque. Je parle à très haut Non. niveau. Je Ah, parle non, mais parce que. à très haut niveau. Quand tu regardes rien que le trio d'attaque, plus deux joueurs au milieu de terrain, voire trois avec Sanderberg, normalement. Alors, ce qui fait défaut à la Norvège, c'est vraiment. Comment dire? C'est vraiment La sa défense. défense. Et encore, quand tu as Ayer, Pedersen, Ryerson et Østigard, normalement. Voilà. Mais quand tu peux aligner un trio d'attaque, Antonio Nusa, Erling Haaland et Oscar Bob, suppléé en dessous par Martin Ødegaard et même Sanderberg, qui est pas trop mauvais, normalement, tu es censé pouvoir quand même participer à l'Euro. Bon, bah, ce sera pas le cas encore Oups, cette hein. année. Mais voilà. Par contre, le fait qu'on parle de la Norvège, ça me fait penser qu'on n'est pas le late Euro 24, on est le early Euro 28. En vrai, pourquoi Non. pas, hein, Ok. pourquoi pas, On va passer au groupe le plus relevé Le de groupe de la cet mort. Euro. Groupe de la mort. Clairement, le groupe de la mort, dans lequel l'Albanie aurait bien voulu ne pas siéger. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. On est clairement sur un groupe. Waouh. Oui, On a c'est. Il on a y aura sûrement. six matchs, six bangers en vrai, on va pas se mentir. Exactement. Je pense qu'on a vraiment un groupe où on a. Deux équipes du allez, top 4, top 5. Europe, avec l'Espagne et l'Italie.
et la Croatie qui est vraiment, vraiment pas loin derrière. Donc ça va être une bataille acharnée, surtout pour savoir qui va être aussi le meilleur troisième, parce que je doute que l'Albanie peut poser des problèmes à chaque équipe. Alors, on Faut va, savoir ouais, voilà, c'est ça. que l'Albanie est actuellement dirigée par Silvinho, d'ailleurs, ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais, qui est réputé pour son jeu évidemment défensif, donc qui peut aussi embêter les équipes qui ne sauraient pas manœuvrer ces équipes-là, procédera sûrement en contre, et contre une Espagne qui peut-être ne dominera pas forcément son sujet. Voilà, sait-on jamais. L'Albanie qui s'est qualifiée première de son groupe, hein. En plus. Première de son groupe et qui est chapeau 2. Et oui, avec leur performance, ils sont chapeau 2. Parce que l'Italie, Ils ont tenante pris. du titre, est quand même chapeau 4. Exact. L'Albanie qui s'est qualifiée devant la Tchéquie et devant la Pologne, quand même. C'est pas rien. Ouais. Alors après, le niveau est très serré avec la Tchéquie, c'est à égalité de points. Avec la Pologne, ah, ça s'est joué sur assez peu de choses. Hein. Ça s'est joué sur un match. Hein. Ouais. Bah, du coup, Albanie-Pologne, hein, le fameux match à 6 points. Mais non, non, pour le coup, l'Albanie, en fait, c'est leur deuxième participation à l'Euro après l'Euro 2016. Et pour le coup, l'Albanie était arrivée troisième en 2016. Et malheureusement, moins bon troisième. Parce qu'ils avaient fait deux matchs nuls. Ils avaient perdu un seul match en 2016. Alors après, bien évidemment, en 2016, c'était il y a 8 ans. Donc les équipes ont le temps de changer entre-temps. Regardez l'Islande. Mais Ouais. pour le coup, eh ben, ils ont un peu d'expérience. Et faut pas oublier un truc, c'est que dans cet euro, avec le niveau du foot européen depuis une dizaine d'années, le foot de sélection, etc., il n'y a pas de petite équipe. Il y a des équipes, bien évidemment, plus faibles. On a vu la Macédoine du Nord, il y a 3 ans, bien évidemment, mais à l'heure actuelle, ce sont tous des joueurs professionnels. C'est fini l'époque où il y avait des joueurs semi-pro. À la rigueur, bon, le gardien de but islandais en 2016, mais il n'y a plus de joueurs semi-pro. Donc maintenant, ce sont des joueurs qui ont tous la capacité physique de tenir. Mine de rien, ils travaillent le foot, ils ont tous la capacité aujourd'hui, et c'est la révolution du foot moderne depuis, on va dire, 5-10 ans, ils ont tous la capacité d'avoir les statistiques, de pouvoir optimiser leur manière de jouer, ils sont capables, le staff des sélections, de regarder les différentes équipes, il y a de la revue vidéo, de OK, lui il joue comme ça, machin, bidule chouette. Donc, mine de rien. En tout cas en Europe, dans d'autres pays où le foot n'est pas une priorité financière, c'est autre chose, mais en Europe en tout cas, aucune équipe n'est petite. Et j'espère vraiment, en plus ce serait incroyable au niveau de scénario, au niveau rebondissement, j'espère que l'Albanie va être devant l'Italie ou la Croatie dans ce groupe. Hein. Et en plus de ça, comme le niveau est serré, ça va être plus difficile, et c'est un autre problème, ça va être plus difficile pour l'équipe qui va être troisième. Parce que pour le coup, eh ben, si c'est serré, ça veut dire qu'il y aura plus de matchs nuls, donc un point par-ci, un point par-là, au lieu de prendre 0 et 3, par exemple. Et pour le coup, eh bien, l'Albanie ne sera pas l'équipe qui offrira 3 points à tout le monde, qui donnera la qualification à l'Espagne, à la Croatie et à l'Italie, comme ça, les doigts dans le nez. Justement, pour moi, si je dois voir une équipe se faire upset par la Croatie, par l'Albanie, pour moi c'est la C'est Croatie la en vrai. Croatie. Pour moi c'est la Ouais, Croatie. Parce moi que aussi. si tu veux, pour moi en fait, la Croatie, ils surfent encore sur la vague de 2018. Dans le sens où l'un des rares joueurs forts de 2018 qui a été remplacé numériquement, pour moi c'est Subasic. Qui a été remplacé par Livakovic. Je pense que les deux messieurs qui sont avec moi sauront rappeler la propagande que je voulais ramener Livakovic à l'OM. Même si bon, je Bah, pense en que ça fait, sera pas. on sait que c'est un Il est super bien trop joueur, trop ce fort qu'il a. Livakovic quoi. Ouais. Mais après, en termes de la défense, hein, ça commence un peu à vieillir. Enfin, C'est déjà très vieux, en fait. Domagoj Vidaš, je sais pas ce qu'il fait encore là, tu vois. Modric, même si c'est toujours ce joueur, à 38 ans, il commence à être pas loin de la fin, tu vois. Maier, bon,
il s'est planté à Rennes. Kovacic, il fait encore du sale, mais pareil, 30 ans, ça commence à monter. Brozovic, 31 ans, enfin. Pašalić, ok, il a fait du sale avec, avec l'Atalanta en Europa League, mais pareil, il commence à vieillir. Et puis devant, bah. Kramaric, 32 ans. J'ai même pas ses stats de cette saison à Hoffenheim avec Kramaric, mais bon. Perisic, 35 ans, pareil, il commence à faire vieux. Petkovic, 29 ans. Je crois qu'il a fait même pas de Ouais, saison par contre, Petkovic, mais ce qui est après, sûr, d'autres. Hein. Petkovic en forme. ce qui est sûr, c'est que la sélection croate commence sincèrement à baisser de, à baisser en régime et surtout à baisser, à augmenter en âge et n'arrive pas à se renouveler. On a un déficit, il y a un déficit en fait à ce niveau-là. Ah, faut Et pas ça se retrouve oublier que la chez les Croatie, c'est. Vas-y, pardon. Vas-y, Non, termine non, ta je t'en phrase. prie, je non, je t'en prie. Ok, bah faut pas oublier que la Croatie, c'est 3 millions d'habitants. C'est-à-dire que parmi tous les pays qui sont qualifiés, c'est l'un des pays les moins peuplés. Eh oui, ça faut pas l'oublier. Hein. Non, t'as raison. C'est un gros, c'est un gros panel de football dans un petit pays, quoi, oui. Mais pour moi, c'est eux qui sont upset, du coup. Groupe C? Ouais, peut-être. Juste Groupe C. avant, Ah oui, alors attends, vas-y, vas-y. juste avant, Vas-y. juste avant, juste avant. Petite précision pour le groupe B. Pour le coup, quand bien même ce sont deux pays de l'ex-Yougoslavie, il n'y a pas de tension palpable très forte entre l'Albanie et la Croatie. C'est pas, voilà, il va pas y avoir non plus une boucherie sur le terrain. Par contre, dans le groupe C. Oula, oui. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Bon. Ouais. C'est un groupe un peu où l'Angleterre surplombe le reste. On a le Danemark qui a quand même, on l'a vu au dernier Euro, une très bonne sélection qui sort de très bons joueurs et qui a réussi en fait comment dire, à remonter un petit peu dans un niveau de performance qui est quand même vachement bon parce que moi je me rappelle de certains matchs à France-Danemark tout simplement avec une sélection vieillissante, avec une sélection qui avançait pas, une sélection qui mettait presque pas un pied devant l'autre et qui n'existait pas en fait pour l'équipe de France et qui se Après, attends, retrouve si tu parles de 2022, si tu non, parles de bien avant, 2022 à la Coupe du bien Monde, avant, ouais, non, bien avant. parce que 2022 à la Coupe du Monde, mentalement, ils n'y étaient pas, les Danois, hein. Non, ils étaient pas Là, là. c'était Ils n'y dur étaient de pas, les Danois. repartir. C'était dur de repartir après l'Euro. Mais ils ont marqué un but, même au Qatar, les Danois, il me semblait que non, hein. Si, ils ont marqué, je crois qu'ils ont marqué. Je suis pas sûr, hein. Contre la France, non. Et il me semblait que. Non, non, je crois qu'ils sont à zéro but, les Danois, à la dernière Coupe du Monde. Je vais checker la data. J'arrive, je vais checker la C'est data. même la Et Tunisie a marqué, alors certes, un contre but qui nous. n'était pas valable, mais. Ah, ils ont Ils ont marqué marqué. contre un but contre la France, ok. Ils ont marqué contre nous, ouais. Et c'est tout. Ok. Et c'est tout. Ok, Et ok. c'était un but de 1 partout d'ailleurs. Ouais. Et après, Griezmann est venu les. Enfin, Mbappé est venu les climatiser, oui. Après. Pour moi, du coup, ce groupe C, pour moi, l'inconnu, c'est le Danemark. Bah ouais, Parce que, c'est. en fait, si tu veux, le Danemark, bon, pareil, il y a encore des joueurs que je propagande un peu trop dans le groupe. Genre Notamment. hier. Ouais, non, non. Genre Damsgaard. Entre autres, oui. Damsgaard, si tu veux, on m'avait traité de hipster parce que je l'avais cité comme joueur à suivre il y a 3 ans, Damsgaard. Et il avait fait un sacré euro, lui. Aussi, bah, Joachim Meleux. Très fort. Bien sûr. Joachim Andersson, très très fort aussi. Ah, ça c'est chez moi, ça. Oui, bon, évidemment. Au milieu, Højbjerg. Bon, lui. J'aime pas les biens, moi. Je vais citer Floki. Pourquoi ce mec-là, il s'est pas souvenu qu'il avait un père français? Ouais, c'est ça. Et puis, bah, Christian Eriksen, c'est le Super Saiyan original. C'est ça. Alors, ça me fait penser Le d'ailleurs. bouc, il est mort, mais il est revenu encore plus fort, quoi. Ben c'est ça, ouais. C'est que, mine de rien, avec le Danemark, en fait, ce qui est piégeux, c'est que si on regarde leurs résultats sur les 5 dernières années, donc globalement,
on va regarder la Coupe du Monde. Bon, bah, clairement, comme j'ai dit, mentalement, ils n'y étaient pas. Mais tu sentais qu'ils n'avaient pas envie. Au-delà même de, ouais, il y a un manque de cohésion, de niveau. Non, non, tu sentais qu'ils n'avaient pas envie. Plus que les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands, ils ont joué leur vie, même s'ils ont, dans la photo officielle, mis leurs mains sur la bouche pour protester. Mais les Danois, eux, c'était encore plus loin, où ils avaient carrément pris un maillot avec rien écrit dessus. Enfin, tout était en rouge. Oui. Voilà, c'était vraiment le côté, ok, on est présent, il y a un maillot officiel, mais en vrai, voilà quoi. Non, non, vraiment, les Danois, ils n'y étaient pas. Et puis, derrière, sur les qualifications à l'Euro, eh ben, mine de rien, ils sont premiers de leur groupe, effectivement, mais ils sont à 4 points de la 4e place. C'est-à-dire que c'est un groupe très serré, et d'ailleurs, il y a la Slovénie aussi, donc les deux se regroupent. Danemark, Slovénie, 22 points, et puis Finlande, 18, Kazakhstan, 18. Mine de rien, il était très serré. Après, bon, ils ont eu Saint-Marin qui donnait 6 points à tout le monde, donc globalement, c'est pas 22, 22, 18, 18, c'est 16, 16, 12, 12. Ouais. Mais effectivement, effectivement, bah, ok, ils sont arrivés premiers, mais dans un groupe plutôt dense et plutôt faible, surtout. Et quant à l'Euro 2020, bah, pour le coup, effectivement, la crise cardiaque, c'était ça, hein, c'était une crise cardiaque de Christian Eriksen. Oui. Là où on était tous estomaqués, quoi. Enfin, je veux dire. Waouh. Il y a eu un moment d'arrêt. En fait, on s'est tous arrêtés et on s'est dit qu'il y avait vraiment un souci, quoi. Il y avait quelque chose. Ouais. Et ça a donné, je pense aussi, un supplément d'âme, à cette équipe qui va jusqu'en demi-finale. Et ils se sont fait voler. Bah, qui s'est battu. Et ils se sont fait voler. En plus. Ils se sont fait voler pour moi. Ah oui. Donc ils se sont battus pour Christian Eriksen. Et du coup. Derrière, et pour vous dire à quel point c'était choquant, moi j'avais regardé ce match en différé et j'étais quand même estomaqué, j'étais incapable d'avancer, j'étais incapable de chercher sur mon téléphone c'est quoi la suite, etc. Enfin, j'étais au cinéma moi ce jour-là. Non mais vraiment, c'était. Mais en tout cas, Danemark et bah, d'une certaine manière la Slovénie aussi. C'est un peu des inconnus hein, sur est-ce que vraiment le niveau va être là. Maintenant, parlons de la Serbie, quoi. Bah la Serbie, en fait, pour moi la Serbie, ça, c'est tout ou rien. La Serbie, en fait, ou bien ils upsettent l'Angleterre, parce que c'est clairement possible. Oui, bah oui. Ou bien ils upsettent l'Angleterre, ou bien ils font 0 points. Ouais. Dans le sens où, bah déjà en. Ah oh, zéro peut-être pas. Je te jure qu'ils peuvent faire 0. Mais rien qu'avec Mitrovic, pense, ouais. Rien qu'avec Mitrovic, gros dalleux, et qui joue encore en Arabie Saoudite, il a du niveau Mitrovic. Hein. Oui, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de la RSL. Hein. Je te dis pas le contraire. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, en fait, genre, ils peuvent complètement flop, en fait, genre, ils peuvent flop. Oui, ils peuvent ouais. Flop monumental. Ouais, je suis d'accord. Après ils ont des attaquants, ce qui est sûr. Après est-ce qu'ils ont le matériel pour pouvoir faire plus qu'une simple apparition. On verra. À voir. Moi j'avoue que je suis d'accord avec toi. Pour moi c'est l'équipe qui peut clairement faire 0 points. Et dans ce groupe là. Et voilà. Et surtout. Attends, j'ai oublié, c'était avec qui ? Parce que t'as entendu le truc. Il y a Slovénie-Serbie, en fait. Slovénie-Serbie, Danemark-Angleterre. Ah non, Slovénie. Autant pour moi. Slovénie... Slovénie aussi, ils ont un potentiel de 0 points, mais... Je sais pas. Et la Slovénie peut se permettre, avec la présence de Jan Oblak au cage, de jouer, mais tellement défensif, vraiment, genre, ils peuvent foutre 5 gars derrière et de temps en temps tenter des dingueries devant. Je veux dire, c'est rassurant d'avoir un gardien aussi bon. Mais et derrière, ça joue, hein, faut pas l'oublier. Hein. L'inconnu, c'est aussi Ilicic, en vrai. Ilicic post-dépression, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. Ah,
Ça, c'est notre notion. Mais alors, du coup, les Anglais. Alors, les Anglais, dans un univers où leur entraîneur ne s'appelle pas Gareth Southgate, c'est des ultra favoris de l'Euro. Bah, c'était quoi comme problème avec Southgate? Bah, on sait très bien que c'est un peu à cause de lui que l'Euro, que l'Angleterre ne passe pas un cap. C'est Autant, ça. bah, en fait, c'est Deschamps, mais qui n'a pas de réussite. Et Deschamps qui ne sait pas. T'es méchant avec Deschamps. Non, je suis pas méchant avec Deschamps. On s'ennuie. On s'ennuie pour l'Angleterre. On s'ennuie, il a un matériel de fou. Et en fait, ça nous rassure un petit peu de savoir que c'est lui qui est aux commandes. Puisque on se dit que en fait l'Angleterre ne peut pas réussir avec Gareth Southgate. C'est un peu. J'ai pas le droit de dire ça en stream, alors du coup je ne le dirai pas. Mais Non. non, il est C'est un dépassé terreau en pas fait. très fertile. Je pense que c'est. Ouais, non. Non, Voilà. il est limité pour moi. Il va en finale de son euro en réalité, hein, parce que faut dire ce qui est, hein, l'euro de l'année dernière, c'est un euro anglais, hein, et pas un euro Européen, je suis complètement d'accord, européen. et qu'on est, je suis complètement d'accord là-dessus. Ouais, c'est l'Angleterre qui s'excuse pour le Brexit. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'ils reprennent l'euro dans 4 ans. Donc, Et avec l'Irlande. Oui, oui, avec le avec Royaume. Oui, l'Irlande. voilà. Sauf que la finale se passe encore à Wembley, tu vois. Enfin, c'est. Bah, en même temps, t'imagines, attends, t'as Wembley dans tes stades et t'envoies pas la finale là. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire. Ah, mais je suis d'accord. En tout cas, je pense que, évidemment, sur le papier, l'Angleterre a un. Comment dire? Je suis pas fan des Anglais, et puis en général, en tant que Français, on est un petit peu. Même pas trop les Anglais en France. Et on déroge pas forcément tous à la règle. Mais ils ont un matériel Non, extraordinaire. c'est trop. Même plus que nous sur certains. En tout cas, sur cette Sur certains génération-là, postes. dans certains postes. Quand tu regardes au milieu de terrain, je suis désolé, le milieu de terrain de l'équipe de France, pas rêver. J'en parlerai pas trop. Mais Oui, en tout cas, pas tout de suite. contrairement. Voilà, pas tout de suite. Et en tout cas, l'équipe de. D'Angleterre, quand tu es capable de pouvoir aligner juste une attaque Kane, Foden, Bellingham, Saka, et que tu as déjà dit à Grealish d'aller se faire voir, Alors, prouve que c'est quand tu veux même rentrer Palmer, enfin. fou. C'est un truc de fou. Enfin, c'est. Ils ont un vivier énorme et surtout une génération qui cartonne. Le seul problème, c'est qu'on a foutu les clés du camion. Mec. Voilà quoi. Declan Rice au milieu, d'ailleurs aussi, enfin. Pas le plus Alors, grand fan de. Pas son plus grand fan, après. mais. Mais tu peux pas me regarder dans les yeux et dire que Declan Rice, c'est probablement pas l'un des. C'est top 3 meilleurs milieux de l'Euro, en vrai. Ah oui, clairement, clairement. Mais je. Voilà, je ne suis pas un grand fan. Je n'ai pas dit que. Voilà. Kobbie Mainoo, enfin, laisse tomber. Voilà, Mainoo, fais voir au milieu un petit peu. Bah après, si tu Bon, veux, beaucoup c'est. d'ailiers, il y a beaucoup d'ailiers au En milieu de fait, terrain, mais. le truc, en fait, c'est Il y que a la gueule, voilà. dès tu sors de Rice, Bellingham et Mainoo, le milieu de la France passe au-dessus, en fait, sans ces trois-là. Ouais. Parce que, en Même fait, pas. Enfin, ouais, si, si tu ok. veux, en fait, quand tu enfin, le 11 type de l'Angleterre est possiblement le meilleur de l'Euro, mais en dehors du 11 type, le banc. Non, le banc, Après c'est aussi, compliqué. et Est-ce qu'il encore. y a une cohésion? Est-ce qu'il y a une cohésion entre ces joueurs? Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus une équipe un peu, tu sais, une équipe FC 24, quoi. C'est une super team, en fait, genre. C'est ça, c'est t'alignes un peu tes joueurs. Est-ce que c'est pas la même erreur que le PSG, Neymar, Messi, Mbappé, quoi. Encore une fois, c'est Ouais, parce Mané. que. Encore une fois, c'est parce que les clés du camion sont confiées à un mec qui, pour moi, n'a pas les capacités pour faire briller cette équipe d'Angleterre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y est toujours. Peut-être parce qu'il surfe sur le fait qu'il ait perdu son euro
sur au tir au but et etc. Un peu comme nous, on surfe sur la finale de Coupe du Monde en 2022 et que Deschamps reste encore à la tête de notre Bon, non mais nation, mais Deschamps, non, c'est bon, faut doser quand même. ouais, bref, on parlera pas de l'équipe de France pour l'instant, même si c'est le prochain groupe. Oui, Parce bon. que si on s'est fixé une certaine heure, je ne sais pas si On est déjà à une on heure de vidéo, dépasse. on est déjà à une On est heure, donc... déjà à 1 heure de podcast, donc voilà. Je pense que si on parle de l'équipe de France, il faudrait faire un truc entier. Le groupe D, messieurs. Mais du coup, passons au groupe D, composé donc de nous, chers Français, Françaises, je ne vous ai pas compris, des Pays-Bas, de la Pologne et de l'Autriche. Parlons Et d'abord beaucoup de du. blessés, hein, les trois équipes. Oui, Oui, on T'as vu peut enlever l'hécatombe? C'est n'importe aux quoi. Pays-Bas. Aux Pays-Bas, comme disait Bah, y a Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, Tuin Cuppmeijners. Et surtout que Frenkie de Jong a été remplacé numériquement par Yann Madsen, qui était un latéral gauche. Donc en fait, on ne sait pas trop ce qu'il vaut cette équipe néerlandaise, parce que tu perds 2 milieux de terrain et tu rappelles un latéral, je sais pas pourquoi. Ils ont rappelé un autre joueur aussi ce matin, je crois. Alors, je n'ai pas l'info. Y a Zirkzee qui a été rappelé déjà? Ah, voilà, c'est ça, voilà. Ils ont appelé Zirkzee, qui est un buteur, pour remplacer Koopmeiners, qui est un Y a pas... 6-8. Apparemment, il y a Brobbey, qui est pas très bien non plus aussi. Genre, Et voilà, ils sont un peu démunis au milieu de terrain. Il n'y a que Joey Veerman qui est vraiment bon, même si tu peux rajouter Xavi Simons, même si joue plus vraiment numéro manque 8. d'expérience Il joue 10, En plus, Simons. non, je suis Il joue 10, pas Simons. d'accord sur manque d'expérience. Je suis surtout d'accord sur le fait que c'est pas un numéro 8. Enfin, ce n'est plus un numéro 8, C'est un parce que 10. voilà, c'est un 10 ou joueur de demi-espace. Mais même si souvent c'est un 8-10, voilà, quelque chose dans le genre. Mais ce qui n'est pas non plus, je crois, la façon de jouer de Ronald Koeman. Donc, à voir comment va s'orienter et s'organiser cette équipe des Pays-Bas avec ces deux grosses pertes. Peut-être que, du coup, on repassera peut-être à un milieu à 3, une défense à 3, pardon, pour repasser en 3-4-3, par exemple, ou en 3-4-1-2 avec Memphis Depay qui pourrait glisser en numéro 10. Mais à voir, en fait, comment ça va se orienter, s'articuler, mais c'est deux grosses pertes énormes pour les Pays-Bas. Pareil pour la Pologne, hein, on a vu, je sais plus, alors il y avait blessure de Lewandowski et blessure d'un autre joueur, je sais pas qui. Je dois avouer, je crois que je l'ai vu se blesser sur Je l'ai vu passer sur sa Célébration. célébration ou quelque chose dans le Il y a genre. Milik aussi qui est blessé. Ouais, donc ça enlève des cartouches, mine de rien, à cette équipe polonaise qui est quand même dans un groupe quand même assez relevé, parce que bah, évidemment il y a nous, les Pays-Bas c'est pas une petite nation, et puis l'Autriche n'est pas une nation Pas oublié, à hein. Non, sous-estimer et effectivement. oublier. Hein. Et je crois que Christian Fuchs aussi est blessé. Je te les laisse, hein. Je te laisse faire parce que je ne connais pas du tout, en vrai, la Pologne et l'Autriche, je connais pas trop. Par contre, les Pays-Bas, je connais un peu, mais C'est Zwiderski qui s'est blessé. Zielinski, oui, voilà. Ouais. Donc, L'Autriche, bah, pour déjà, il y a Alaba qui l'Autriche. s'est blessé aussi, déjà. Bon, Alaba, Ouais, là-bas, je sais pas Ah si oui, c'est non, là. pardon, voilà, non, pardon, pardon, oui, j'ai confondu Fuchs et Alaba, parce qu'en fait, dans ma tête, enfin, j'avais les pointures historiques de cette équipe. Mais après, l'Autriche, même sans à la base, ça se défend hein, quand même. Ça a du ballon quoi. Au milieu, t'as du. Bon bah, Sabitzer, Zabitzer, alors Baumgartner, Laimer, enfin. descend, descend, remonte, on fait voir les milieux de terrain juste qu'on puisse. C'est n'importe quoi. Sivald, Sabitzer, Grilic, Baumgartner, Laimer. Non, c'est des bons joueurs. Hein, Il y a du ballon, il y a du bon ballon. ouais. Et les attaquants, il me semble qu'il y a. Bah, Tu peux descendre? en dehors d'Arnautovic, est-ce que tu connais des joueurs là-dedans? Non. Bah, je vois pas parce que tu descends pas. J'ai descendu, Bah, je suis descendu. Il y a le partage d'écran, hein, regarde. Ah oui. Arnautovic, Et Gregorietz Laimer. aussi. Ouais, Laimer Laimer. au milieu de terrain, ouais. C'est surtout que c'est l'Autriche de Ralf Rangnick, en fait. Donc, ça peut largement, en fait, combler ses lacunes individuelles par un collectif. Et ça. Ça peut Bah cliquer ça en c'est vrai. bien en fait aussi. Ça peut cliquer. Surtout quand ça a des joueurs de ballon comme ça au milieu de terrain.
Mais Mais franchement, ils ont pas des joueurs crades, hein, en tout cas au milieu. Non, franchement, au milieu, entre Grealish, Baumgartner, Laimer, c'est pas, voilà, c'est pas affreux, quoi. ah bah non, pas Après, du c'est tout, quasiment que des joueurs. Par contre, ils ont quasiment que des joueurs de Bundesliga allemande ou autrichienne. Il y donc a, en bon, fait, bah, voilà, il y a donc en quelques fait, joueurs, ils voilà. se connaissent. tu te rends compte aussi que c'est un avantage pour eux de jouer en Allemagne, en fait. Surtout les joueurs qui jouent en Bundesliga allemande, parce que connaissent les lieux, des fois ça peut aider, en fait, ne serait-ce que Ouais, vite fait, psychologiquement. hein. Non, mais vite fait, bien sûr. Oui. Alors, si effectivement, tu as un joueur qui, par chance, joue dans son stade, bah là, tu vois, par exemple, contre la France, c'est à Düsseldorf le premier match. Il n'y a pas de joueur de Düsseldorf. Alors, Exact. effectivement, bon, bah, Sabitzer, il sera content s'il joue. Attends, je crois. Attends, je vais Dortmund. regarder À Dortmund. exactement. Non, 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 je veux dire, où joue l'Autriche? Parce que nous, on joue à Dortmund. Ne contre la Pologne. Contre la Pologne, Ouais. mais j'ai un petit peu tac tac tac, hop, je vois ça Je rapidement. peux regarder, je peux regarder, je peux regarder. J'ai les data. Non, t'as Non mais pas. c'est bon, je l'ai, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Du coup, non non, bah l'Autriche joue à Berlin, deux matchs. Donc pour le coup, non. Là, y a pas de joueur, y a pas de joueur du Hertha Berlin et même en réalité du comment s'appelle du Ah putain, de l'Union Berlin. Même là, il n'y a pas de joueur, y a pas de joueur qui joue là-bas. C'est le plus proche par rapport au stade. Oui, ok. Voilà, super. Bon, bah, Sabitzer, il va faire 50 km de bagnole de Dortmund à Düsseldorf, tu vois. Mais, et bon, bah, Kainz, il va faire 3 bornes parce qu'il est à Cologne. Mais ça veut rien. Non, à ce niveau-là, non, ça veut rien dire. C'est si le peuple est avec toi, oui, je suis d'accord. Si le peuple qui est présent est avec toi, que ce soit parce que tu joues chez toi, donc les Allemands, ou parce que tu as tous tes supporters qui arrivent. Donc oui, il va y avoir par exemple les Pays-Bas, bon bah mine de rien, ils sont à la frontière, hein. Les Pays-Bas, ils sont juste à côté. Donc quand ils vont jouer à Hambourg, par exemple, ils vont jouer à Hambourg, bah, tu vas avoir une vague orange, et techniquement, les Néerlandais, tu peux les emmener à l'autre bout de la planète, il y aura quand même une vague orange, il suffit de regarder la Formule 1. Mais non, pour le coup, non mais vraiment, mais pour le coup, non, pour moi, c'est quand oui, quand t'as tes fans qui se déplacent en masse, ok, très bien. Là-dessus, ok, je suis d'accord. Si t'as éventuellement une diaspora, tu vois, genre, par exemple, bon, bah, on sait que en Allemagne, on a par exemple beaucoup de Turcs. Voilà, bon, bah, effectivement, les Turcs, quand ils vont jouer deux matchs à Dortmund et un match à Hambourg, bah, Vous avez être rouge. t'inquiète pas que le stade va être rouge. Ok, il y aura quelques Portugais, quelques Géorgiens, quelques Tchèques, mais pouah, ça va être rouge, 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 quoi. Ouais. C'est ça. Éventuellement, tu as l'Ukraine qui peut avoir un espèce de soutien supplémentaire parce que c'est l'Ukraine, mais sinon, non, non, clairement, c'est pas effectif. C'est pas assez. Clairement, juste le fait de se dire, oh tiens, je connais le vestiaire, je connais machin, c'est pas assez. Vraiment, non, ça reste un bâtiment, tu vois. Ouais. Et un bâtiment sans les gens qui font vivre ce bâtiment, bah voilà, enfin c'est juste du béton, du métal, du plastique, des câbles, des éclairages, et voilà, c'est tout, quoi. On va passer au groupe E. On n'a même pas parlé de l'équipe de France. On n'a pas besoin, on va faire 9 points, t'inquiète. Et bah moi je suis pas d'accord. Ok, Je veux dire, ok. qui nous prend 2 points? Qui nous prend 2 points? On Qui en nous prend fait 2 points? 7, hein. Qui nous prend 2 points? Bah La Pologne, franchement, le non, dernier match. jamais, 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 jamais. La Pologne nous prend 2 points, dernier match. Non. Jamais. Alors, peut-être parce qu'effectivement, on sait que bah, depuis, c'est quand la dernière fois qu'on a fait 9 points en phase finale de quelque chose? Parce que Coupe du Monde 22, Bah, Euro rien depuis 2020. 80... Je pense que même depuis 98, on n'a pas fait. Je vais checker la data. Je vais checker la data. Non, parce que deux, ah non, ah non, ouais non, 2000, ouais, 2000, on a 6 points parce qu'on abandonne le dernier match face aux Pays-Bas. 2002, Il fait speak on sinon. marque même pas de but. 2004, non, 2004, c'était compliqué. Je crois qu'on a fait 6 points en 2004. Hein. Je Même on a fait 7 points. On a fait Ah, 7.
Euro Il y avait 2021, l'Angleterre. en 5-5. 2004, Euro 2004, 2004, 2020, 2004, on fait 7, on fait 2004, on fait 7 5 points. points. Oui. Euro 2021, on fait 5 points. Après, il y a une constante quand même. La dernière fois que la France a perdu un match de poule, Bah, c'était en 2022. C'est contre la la Tunisie. Tunisie. Alors, je suis tunisien, mais force est de constater que le but est normalement valable, que la France aurait dû faire match nul. Non, pour le coup, ça compte pas. Non, 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 ce match-là ne compte pas. Ok, il y avait Guendouzi et Mandanda sur le terrain, T'as quoi mais contre ça eux? ne compte pas. T'as quoi contre eux? Je sais pas, le club où ils étaient à l'époque. Mais en tout cas, non, non, vraiment, la dernière fois que la France a vraiment perdu un match de poule, c'était sous Raymond Domenech, hein. Non, je crois qu'on a perdu un match en Non, 2012. Euro 2012. Suède. Ah, il y avait. Il Ah, y a vu, on a perdu deux, on a ouais, perdu mais. 2-0 contre ce jour-là, ouais. Ah, oui, punaise, punaise, c'est vrai que c'était le match où on savait. Enfin, on était qualifié à 95%. Pas à 100%, mais à 95%, parce que le scénario, il fallait qu'il y ait exactement tel résultat contre la Suède et qu'il y ait tel résultat. Je crois qu'il fallait 1-1 exactement entre l'Ukraine et l'Angleterre. Je crois que c'était quelque chose On fait un partout d'aussi contre compliqué que ça. l'Angleterre, on gagne contre l'Ukraine et on perd 2-0 la Suède. Et ça, à partir de Et à ce l'Angleterre. moment-là, on était quasiment qualifiés. C'était. Bon, bah. Tout ça pour dire que Didier Deschamps n'a jamais perdu un match en poule. Ouais. Voilà, c'est. Voilà. Et même techniquement, je vais même aller plus loin. La dernière défaite officielle, c'est. La dernière défaite en 90 minutes, eh ben, c'est 2012 aussi. 2014. 2014. Ah oui, oh là là, je voulais l'oublier de ma mémoire, celle-là. Non, pardon, bah, ça C'est fait 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que la le France jour où n'a plus perdu un j'ai match en mon bac, 90 donc t'inquiète minutes. pas que je vais en souvenir. Hein. Et encore une fois, non, parce que je suis pas d'accord, parce qu'encore une fois, on a perdu le match contre la Tunisie et que ça compte. Mais allez, 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 tu sais que ça compte pas, tu sais que vas-y, l'arbitrage vidéo, il était chez Père, vas-y, Non, mais arrête. ça n'empêche, ça n'empêche. Ça n'empêche que le match, factuellement, on l'a perdu, quoi, donc, mais oui. Ouais, bah factuellement on l'a perdu. Donc en fait c'est le dernier match qu'on a perdu. Et sinon après bon c'était matchs amicaux mais ça reste l'Allemagne aussi. On Là, peut le citer match la Ligue des perdu. Nations parce que techniquement c'est des matchs officiels aussi, mais bon, on s'en fout de la Ligue des Nations quoi. D'accord. Qui en Non, a quelque chose non, à faire non, de la non. Ligue des Nations? Ça reste un Non, trophée franchement, quand la même. Ligue. Non, 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 la Ligue des Nations a un potentiel de dingue. Elle est vraiment. Il faut juste attendre un petit peu qu'il y ait des matchs mémorables. Et il y en a déjà. Regardez avec l'équipe de France. La Bah, le demi-finale Final Four. contre la Belgique. Oui, c'est ça, la demi-finale contre la Belgique où Lukaku marque et en fait il y a hors-jeu et 2 minutes plus tard, oups, but pour la France. La finale contre l'Espagne où il y a un but d'Mbappé, valable, pas valable, valable, pas valable. Eh ben, il y a tellement eu d'hésitation là-dessus qu'on a dû préciser des règles de l'arbitrage vidéo après ce match. Ouais. Vraiment, on a dû préciser. C'est aussi fort que dans les notices de micro-ondes, il y a écrit ne mettez pas ne mettez pas de chat vivant dans le micro-ondes parce que quelqu'un l'a fait. Vous Ouais. voyez? C'est aussi fort que l'arrêt Bosman. Vraiment, enfin, c'est des trucs, voilà, c'est des trucs assez lourds quand même, hein. En tout cas, ce qui est ouf, c'est que là, comme ça, on pense pas, mais l'équipe de France a gagné tous les trophées possibles et inimaginables qui lui a été donné de gagner en fait. On a déjà gagné les Jeux Olympiques ou pas? Oui. Oui, bah bien sûr que oui, bien sûr Bien que sûr que oui. oui. Regarde, Moi, je parlais de DA. c'était il y a Moi, je genre deux parlais de mois. DA. De l'équipe de France Alors, A. info qui vient de tomber. Apparemment, Saliba devrait être titulaire pendant l'Euro. Qui? Saliba. C'est bien. Ce qui il est le meilleur défenseur, Ok. donc en soi, oui. Oui, je pense que c'est une bonne Bah, chose. de toute façon, ça aurait été qui Ça aurait été Upamecano ou... Konaté, Konaté, d'ailleurs, Ouais, quoi. non, mais... Ouais, Ibrahima Konaté... Ouais, c'est... En fait, les trois ont chacun leur force, leur faiblesse, et derrière, en fait, au vu de l'équipe que veut faire Didier Deschamps, pour le coup, les faiblesses sont plus importantes que les forces. Et ça se voit, parce que sinon, on aurait eu Benzema et Lacazette qui auraient fait une attaque de feu avec Mbappé, Griezmann en retrait. Non, pour le coup, c'est vrai que les points faibles sont beaucoup plus importants que les points forts
pour Didier Deschamps. Passons au groupe suivant. Groupe E. Ouais. Ukraine. Attends, juste avant. Qui sort de ce groupe D. Parce que, ok, il y a la France, super. On dit France 9 points, on sait qu'ils vont faire. Pour moi, c'est la Pologne. Pour moi, c'est la Pologne qui est éliminée en fait. Ouais. Ok, donc tu verrais Pays-Bas deuxième, Autriche troisième ou l'inverse, un truc comme ça. Autriche troisième. Ou alors même la Pologne pourrait être troisième, mais pas dans les meilleurs troisièmes, tu vois. Mais pour mais je vois plus l'Autriche finir devant la Pologne. Ouais, mais je veux dire, attends, il est dans quel état Robert Lewandowski? Bah, il est en 1v11 quoi. Non, je veux dire, j'ai cru comprendre que lui aussi il avait eu des. Il jouera pas le premier match. De santé. Il jouera pas le premier match. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, donc. Il jouera pas le premier match, il est incertain pour le deuxième. Il joue pas contre les Pays-Bas. Mmh. Et il est incertain contre la. Contre la France. Non. Non. Contre l'Autriche. Il jouera pas contre les Pays-Bas, il est incertain contre l'Autriche. On verra contre la France, mais. Ouais. Franchement, vu que la Pologne est l'équipe qui nous affronte en troisième, que Didier Deschamps a l'habitude de faire tourner lors du troisième match pour garder ses troupes sollicitées pour que les joueurs, même remplaçants, aient à manger quand il y a l'opportunité, bien évidemment, quand on a gagné les deux premiers matchs. Pour le coup, la Pologne, elle peut prendre un, voire trois points face à la France. Derrière la Pologne, elle peut faire quelque chose. Elle peut s'en sortir. Derrière, je vois pas la Pologne. Enfin, j'ai du mal à voir la Pologne vraiment se faire écraser par les Pays-Bas, par l'Autriche, quoi. J'ai du mal. Ouais. J'ai du mal. Mine de rien, en plus, la Pologne. Ok, en qualification, bon, ils ont, ils n'ont pas non plus été des plus. Comment dire, ils n'ont pas été non plus des plus brillants. La Pologne, puisqu'ils ont été troisième de leur groupe et sont passés à la faveur de la Ligue des Nations en gagnant au tir au but face au Pays de Galles. Oui. Donc pour le coup, c'était globalement Gareth Bale contre Robert Lewandowski. C'était ce duel-là, quoi. Mais pour le coup, la Pologne, ils ont eu ça, ils ont eu avant le barrage pour la Coupe du Monde contre la Suède. Ils ont eu quelques expériences quand même de matchs coup près qu'ils ont réussi à gagner. C'est la Pologne, quand ils sont au dos du mur, ils peuvent faire quelque chose. Et même à la dernière Coupe du Monde, les Saoudiens, ils étaient un peu à fond quand même au début. Enfin, ils étaient pas dégueux, hein. Tout le monde les enterrait comme le Qatar, mais ils étaient présents. Et puis derrière, ils ont su arracher cette qualification en 8e de finale contre le Mexique, alors qu'à la base, la Pologne... Ça partait pas très bien. Hein. Ils ont réussi à l'arracher parce qu'ils ont gagné contre les Saoudiens. Je crois que c'était ça, si je dis pas de bêtises. Mais ça, c'est vrai que ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ça coque. C'est ils savent mine de rien. Les Polonais savent un petit peu gérer ce genre de match, ce genre de match coup près quoi. Plus exactement, les résultats, les résultats, c'était, là je parle de la Coupe du Monde, hein. Non, pour le coup, ils avaient fait match nul contre le Mexique, puis ils avaient battu l'Arabie Saoudite, effectivement, ils s'étaient un petit peu réveillés, et enfin, ils ont su sauver les meubles contre l'Argentine, en perdant, mais que 2-0. Ouais, c'est vrai que là je revois les résultats, je revois les résultats. Bon, finalement, j'ai peut-être confondu un petit peu la Pologne, le Mexique, l'Arabie. C'est vrai que ce groupe était très hétérogène, très homogène, le groupe des c'est ça. Hétérogène, c'est quand t'as Panama, genre. Oui, c'est ça. Je dis non, je ne sais plus parler français. Dans le groupe E, messieurs. Mais en tout cas, dans le groupe E, la Belgique. La Belgique, ils sont tête de série. Ah, mais même en Belgique, parce que j'y vais souvent, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas plus que ça. Ils se disent peut-être, invaincu, la Belgique
en éliminatoire. Il n'y a que l'Angleterre, la France et la Portugal. Hongrie. Portugal, non, Et ils la sont avec. Roumanie et le Portugal. Ah, bah, le Portugal, ils ont éclaté tout le monde. Non, non, le Portugal, ils ont fait 30 points, 10, voilà, 10 matchs, 10 victoires. Non, non, pardon, c'est vrai que le Portugal, ils ont roulé vraiment sur leur groupe. Mais pour le coup, la Belgique, bon, bah, voilà quoi. Ils y croient pas trop. Mais est-ce que c'est pas de la. Peut-être un complexe d'infériorité, enfin pas un complexe d'infériorité, mais de la modestie peut-être de la part de la Belgique en se disant, ok, on a eu notre génération dorée, bon bah voilà, Eden Hazard c'est plus compte de lui-même, Romelu Lukaku il est en perte un peu de vitesse, Kevin De Bruyne, bah il y a moins de gens à qui il peut faire la passe, Thibaut Courtois n'est pas sélectionné, je le rappelle que le meilleur gardien européen, pour moi, c'est le meilleur à l'heure actuelle. Je suis d'accord. Là, dans les 5 dernières années, il n'y a pas meilleur gardien que Courtois. Et pourtant, franchement, Donnarumma, il pourrait négocier s'il savait mieux gérer ses sorties aériennes. Mais en tout cas, le meilleur gardien européen n'est pas sélectionné, c'est terrible. Après, c'est peut-être parce qu'il se remet de ses croisés aussi, tu vois. Non, mais bon. Il a, certes, non, c'est il a joué. C'est juste parce qu'il s'est embrouillé avec le sélectionneur. Il y a de ça, non, mais. Non, c'est juste parce qu'il s'est embrouillé avec le sélectionneur. Imo, tu vois, genre, la Belgique, si c'est sérieux devant, ça fait 7 points. Parce que, ok, d'accord, ils affrontent parce la Slovaquie, que... la Roumanie et l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine-Belgique, ça fait nul. Alors, petit rappel, l'Ukraine s'est qualifiée par les barrages. Ouais. Ouais. Et... Petit rappel. La Et Slovaquie en fait... est tombée deuxième face à un Portugal rouleau compresseur, mais ils n'étaient pas si loin que ça du Luxembourg. Et ils ont eu, sinon, l'Islande, qui, ça y est, a perdu son opportunité pour l'instant. La Bosnie et bon, bah, le Liechtenstein qui a offert 6 points à tout le monde. Quant à la Roumanie, elle a fait dans son groupe, elle a fait 22 points sur 30, aucune défaite, ni face à la Suisse, ni face à Israël. Après, bon, ok, Biélorussie, Kosovo, Andorre, bon, on est d'accord que c'est pas. Et Andorre a quand même pris 2 points. Hein. Bah, contre le Kosovo, il me semble. Contre la Biélorussie. Et contre le Kosovo, ils ont pris un point par-ci, un point par-là. Voilà. Mais en vrai, moi, ce que je vois, c'est que la Roumanie, personne ne sait la situer. Genre, la Slovaquie, il y a ce côté, bon, ils sont pas très présents. Ok, ils étaient à l'Euro 2020, mais ça manque quand même de consistance. Voilà. Ouais. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas bâtir une équipe entière sur Marek Hamšík. Non. Clairement, mais la Roumanie. Pour moi, la Slovaquie, pour moi, c'est. La Slovaquie, pour moi, c'est 0 points déjà. En fait, le truc, c'est. 0 que... ou 1 point, 0 ou 1 point. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment le groupe le plus faible de l'Euro. Oui. Voilà, on part sur, sur le groupe qui est pour moi, avec les nations les plus faibles de l'Euro. Même si l'Ukraine pourrait peut-être s'en sortir, la Slovaquie. La Roumanie, tout ça accompagné du géant. Enfin, du coup, la Belgique paraît immense en fait dans ce groupe-là, tellement immense en fait ça qu'elle écrase les autres. Mais ça reste un géant aussi. En fait, les autres n'ont pas les moyens de rivaliser, donc ça va être un groupe qui va être, qui va être un peu, pas passable, mais voilà, très faible en niveau. Je suis d'accord. Juste petit point quand même, là je regarde un peu les joueurs slovaques. Bah derrière, j'ai l'impression que le plus fort, c'est Skriniar. C'est Milan Skriniar. C'est Skriniar, ouais, oui. Du PSG. Mmh. Mais, en dehors, en fait, j'essaie de voir quel nom je connaissais. Je connais Dubravka, bon, ok. Je connais Skriniar. Et après, bon. Douda, Douda. Gardien de Newcastle. Oui, voilà. Douda, j'ai vu son nom.
Mais sinon. Ouais, c'est. Bon, Moi, après, je, je veux bien ne pas avoir la science infuse dans le football. Je veux bien connaître le ballon, mais il y a un moment. Là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, tu vois. Ouais. C'est Ouais, pour non, ça, c'est pour ça. Après, pour moi, si c'est tu dur. veux, la deuxième place, ça va jouer pour moi entre. Enfin, en fait, pour moi, il y a un monde d'écart entre la Belgique et entre la Ukraine, Ukraine, Roumanie. Ukraine-Belgique. Pour moi, il y a un. En fait, la Roumanie, ok, ils ont fait 22 points dans leur groupe. Mais la gueule du groupe, quoi. Oui, bah c'est sûr, ok, La Luxembourg, Suisse, Islande, Israël, Bosnie, Herzégovine, Biélorussie, Liechtenstein. Kosovo d'Or, bon. Voilà quoi. Bon. Ils avaient déjà 9-18 points gratuits, quoi. Pour moi, les seuls points que tu regardes, c'est les points contre la Suisse et contre Israël. Et encore, Israël, tu vois. Les seuls points que je regarde, c'est contre la Suisse. Et la Roumanie contre la Suisse, ok, bon, là, ils prennent 4 Ils prennent points. 4 points. Ils prennent 4 points. Donc, ok, tu Ouais. vois. C'est les 4 seuls points qu'ils ont, tu vois. Parce que contre Israël, bon, Ouais, ils ils prennent prennent 4 points. 4 points aussi, Ils hein. prennent 4 points aussi, mais tu vois, c'est. Voilà les points en question, quoi. Bah, l'équipe israélienne, elle a jamais fait grande sensation dans l'histoire du foot, en tout cas en Jamais. Europe. Jamais. Elle a gagné une Coupe d'Asie, mais pour le coup, en Europe, effectivement, Israël, j'ai même pas le souvenir de les avoir vus se qualifier pour un euro. Je crois pas. Je crois Maintenant, pas, je vais regarder. ce qui se passe, c'est que Non, zéro. l'équipe israélienne, l'équipe israélienne, ben, tu la vois progresser année après année, hein. On est Mine de censé les recevoir au rien. Stade de France cet automne, hein. Oui, pour la Ligue des Nations, dans le même groupe que l'Italie et la Belgique, ça va être fameux. Faire Bah, pour le zéro point en coup. légende. Hein. Bah, alors, pour le coup, bah, déjà, Israël est en Ligue 1. Voilà, Israël est en première division européenne. Voilà, enfin, c'est. Ok, il y a 4 promotions, 4 relégations, mais Israël est en première. Est en première division européenne, quant à la Grèce ou la Turquie qui sont en troisième div. Par exemple. Pour le coup, on oublie, mais. Parce qu'on oublie parce que voilà, c'est pas un pays historique de foot. Ok, bon, bah, ils envoient une fois de temps en temps une équipe en Ligue des Champions qui finit dernière de groupe en se mangeant 6 points par Benfica, 6 points par le PSG ou quoi. Mais bah, quoique, je crois qu'ils avaient upset la Juve à un moment. Une fois. Cette année-là, effectivement, le Maccabi Haïfa. Mais non, franchement, là, le fait qu'il y ait cette Ligue des Nations, j'en reparle, hein, mais le fait qu'il y ait, je ne parle pas du résultat d'Israël en Ligue des Nations, mais je veux dire, le fait qu'il y ait la Ligue des Nations fait que les équipes vont affronter plus de fois des adversaires du même niveau, à peu près. Donc pour le coup, ils arrivent à progresser ensemble. Tu vois? C'est mine de rien, les équipes de Ligue B, par exemple, elles affrontent des équipes de Ligue B. Elles vont pas affronter des rouleaux compresseurs de Ligue A, là où on dit effectivement qu'Israël va se manger un 0 en 6 matchs contre la Belgique, l'Italie et la France. Derrière, ils affrontent pas non plus des équipes de Ligue C ou D, qui, pour le coup, ont des joueurs non professionnels. Voilà, il y a une certaine force qui arrive depuis l'installation de cette Ligue des Nations, en fait. C'est vraiment, on affronte des équipes qui ont à peu près le même niveau. Du coup, comme c'est amical et en fait non, on peut prendre un peu de risque, mais pour autant, faut jouer sérieux. Les joueurs se donnent, les coachs peut-être peuvent tenter des petits trucs parce qu'on se dit, bon, le plus important, c'est quand même de se qualifier à l'Euro. Mais il y a ce truc-là. En fait, il y a quasiment les avantages d'une ligue fermée et les avantages d'une ligue ouverte. Ouais, c'est ça. J'attends de voir en vrai. Groupe, on peut passer au Mais bon, groupe. après, on parle d'Israël alors qu'ils sont pas là, donc. Oui. On va peut-être passer On au va groupe arriver F au du groupe coup. F. Alors, le groupe F pour moi, c'est le deuxième groupe de la mort. Bah, ouais, bof. Bah, je Parce que. pense bof aussi. Non, Pour gars, moi, arrête. genre. Non, 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 non. Non, non, on a le Portugal D'ailleurs, qui va jouer, je pense que si. le Attends, Portugal, il peut tout se passer en fait. technique. Pour moi, en fait, derrière le Portugal, tout peut se passer. Genre, Bah, c'est pas un groupe de la mort. bah C'est un si, en groupe soi. faible. C'est pas, pour moi, c'est pas un groupe faible.
C'est encore un groupe faible, en fait. Alors, on va rappeler quand même les équipes, hein. Donc, on a la Tchéquie qui s'est qualifiée deuxième de son groupe derrière l'Albanie et devant la Pologne. Ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est le cas. Sachant que la Moldavie n'était pas mauvaise non plus, hein. Et là, au niveau des scores, bon, il y a Féroé comme d'hab, quoi. Ils arrivent, bonjour, au revoir. Mais on est sur 15-15, 11-10. C'est pas crade, hein. C'était un groupe à un niveau assez compact. Donc pour le coup, la Tchéquie s'est qualifiée là-dedans. Bon, ils étaient assurés d'être qualifiés avant le dernier match, hein, donc ils ne sont pas non plus battus de dingue. La Turquie, elle, pour le coup, a battu dans son groupe la Croatie, le Pays de Galles. Et bon, Bon, bah, la petite l'Arménie et la Lettonie, pourquoi confrontation. Non, non, mais attends, la petite confrontation contre l'Arménie, quand même, elle était historique, hein. pas? Attends, Ouais. oh. C'est une confrontation pour les visiteurs, pas pour les terrains de foot, ça. Ouais, c'est ça, clairement. Enfin, je veux dire, je crois que les matchs, ils ont eu lieu pendant 3 secondes. Je crois que les. Ah non, ok. Eh ben, ok, non, non, les matchs ont eu lieu dans les équipes. Je pensais que ça. Franchement, je pensais que ça aurait lieu, genre, en terrain neutre ou quoi. Mais ok, non, non, la Turquie. Ok, l'ambiance, elle était. Waouh, quoi. La base devait être électrique en vrai. Hein. Après, bon, dommage, premier match, l'Arménie, ils mettent un contre son camp dès le début. Bon, bah voilà quoi, la différence de niveau elle s'est faite sentir tout de suite. Mais non, non, franchement, là je connais des Arméniens qui ont tous une rancœur, qui ont tous une rancœur vraiment. Genre, tu leur dis Turquie, il y a un petit côté un peu y a montée de tension quoi. Mais bon, Ouais. en tout cas, la Turquie, première de son groupe devant la Croatie et le Pays de Galles. Bon, ça s'est joué à rien entre la Turquie et la Croatie. Pareil, ils savaient qu'ils allaient être qualifiés avant le dernier match. Et donc derrière, la Géorgie. Eh ben, la C'est parti. Géorgie, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait dans les tours de qualification? Eh ben, elle était quatrième de son groupe, derrière la Norvège, l'Écosse et l'Espagne. Mais, c'est l'équipe un peu chanceuse de la fameuse Ligue des Nations, celle qui donne tout l'intérêt à cette compétition pour des pays plus petits. Et du coup, la Géorgie a battu La le Grèce. Luxembourg, certes, et la Grèce au péno à domicile. Donc Et pour le coup, la Géorgie, pour la première participera au fois de son histoire, premier, alors. pour la première fois de son histoire. Allô? C'est la seule équipe d'ailleurs Oui. qui inaugure l'Euro comme ça. Me Et semble la Géorgie, il y a effectivement. pas mal Bah, de joueurs à voir en vrai, hein. ok, il y a un mec en. Ok, il y a un mec. Alors, on va prononcer ensemble son nom de famille chacun de son tour et on va voir si ça, il arrive à Dvijak bien le Kvaratskhelia. C'est bon, prononcer. lui il est fan, lui il est fan, donc forcément je peux rien dire, tu vois. Dvijak Kvaratskhelia. Pourquoi il y a un problème? Kvaratskhelia. Voilà, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Voilà. Vas-y, Non, Mora. non, non, j'ai pas essayé. Je sais que je vais me Allez, casser. allez, allez, vas-y, C'est quoi, répète après moi. c'est Dvijak Kvaratskhelia? J'y arriverai pas. Ouais, il fait J'y un peu arriverai bizarre. pas. Déjà, Ouais. juste le nom de famille. Kvarat. Kvaratskhelia. J'y arriverai pas. Kelia. J'y arriverai pas. Ah non, ah, J'y arriverai pas. c'est quelque chose. Avec notre cher Et Georges ouais. Mikotadze, et puis surtout que la Géorgie a des atouts. Le goal. Bon, il y a surtout le gardien, voilà, Mamad Archvili, qui est super bon avec Valence, et qui apparemment, enfin, même c'est même pas apparemment, c'est si ce n'est, je crois, le meilleur gardien d'Espagne. Oui, Donc il clairement, est beaucoup trop fort. Alors clairement. maintenant, quand même, la Géorgie. Bah, déjà, faut signaler quand même que ce match contre la Grèce, c'est un 0-0 où ils tiennent toute la deuxième mi-temps et les prolongations À 10 contre 11. à 10 contre 11. Ouais. Effectivement, ils ont eu le cœur, ils ont eu le physique de tenir là-dessus. Mais enfin, comment dire, malgré tout, ok, ils ont du cœur, mais ça suffira pas, quoi. Enfin, Surtout que c'est Chloé Willy Sagnol Ewang. à la tête de cette sélection. Je trouve ça extraordinaire. Punaise. Franchement, tu me l'apprends. Waouh. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, Mais c'est vrai, c'est la vraiment Willy Sagnol, ouais. La On vache. avait vu des sacrées images sur la chaîne L'Équipe pour la qualification de la Géorgie d'ailleurs.
Mais Bah, en vrai, effectivement, mais bien sûr, à en domicile en vrai, plus. moi je vois pas forcément la Géorgie faire quelque chose. Je pense que la Turquie sortira de ce groupe, mais La Turquie fera deuxième pour moi, moi. la Turquie fera pour moi aussi deuxième. J'espère que la Géorgie fera troisième et meilleur troisième, parce que j'aimerais profiter un peu plus de ce joueur magnifique, Kvaratskhelia. Miko Oh, mais pas Tadze veut Nicolas rester en II. France. Miko Tadze veut rester en France. Mais s'il fait un gros Et attends euro. l'Olympique Lyonnais, on sait où on est au courant. Non, non, mais Ouais, bah oui. il peut toquer à la porte de plus gros que la France en vrai. Ouais, mais il veut rester en France parce que son dernier, sa seule, non, c'est pas sa seule, parce que c'est pas vrai. Mais sa dernière expérience à l'étranger, c'est pas très bien passé, je C'est pense. vrai, c'est vrai. C'est Voilà. 6 mois Mais à l'Ajax, ouais, bon. mais ce qui est sûr, c'est que ces joueurs-là seront quand même à surveiller. Même cette passion à surveiller, je pense aussi de très près. Bon, bah on a Et fait le alors, tour de, on a fait le tour des groupes. attends, non, on n'a pas encore fait le tour. Attends, non, non. Alors déjà, On va falloir s'arrêter au bout d'un truc moment, tout mon frère. con. Non, non, mais bien sûr. Mais déjà, première chose, là, je suis en train de regarder la Géorgie là pendant la phase de groupe. Et Kvaratskhelia, il s'est réveillé en 2023, mais avant, il plantait pas, hein. C'est vraiment, ouais, c'est deux buts, enfin c'est un but contre Chypre, deux buts contre l'Écosse et un but au dernier match contre l'Espagne, tous en 2023. Mais pour le coup, avant ça, il n'avait pas marqué. Et là, sur les 3 derniers matchs, Il à marque chaque pas fois, beaucoup. Kvaratskhelia marque. Et pour le coup, bon, ok, 4-0 Chypre, les autres ont croqué. Mais ce que je veux dire, c'est que j'espère vraiment pour C'est pas un les buteur, Géorgiens qu'il va Gara. pas se blesser parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a l'équivalent de la Macédoine en 2020, une Pandev dépendance. Mais vraiment, c'est. Voilà, c'est. Moi, j'ai peur, j'ai vraiment peur de ça. Ce qu'on retrouve habituellement dans des nations africaines ou asiatiques. Vraiment, le buteur qui joue à haut niveau et qui carry l'équipe, quoi. Mais c'est pas un buteur, Kvara, c'est pas un Ouais. buteur, c'est un ailier. Alors, Non, c'est un mais, oui, but. mais, Oui, mais oui, mais, joue. oui, mais statistiquement, c'est lui Joue. qui plante. Va jouer dans les. Va jouer dans les 2-2 devant, dans un 3-5-2 ou dans un 4-3. Dans un 3-4-3, je sais plus. Non, pas 3-4-3. Donc, dans un 3-5-2, va jouer devant, sûrement à côté de. Soit de Miko Tadze, soit d'un autre, j'ai oublié son nom, je dois avouer. Qui a planté. Qui plante pas mal et qui est assez complémentaire de Gvisha, mais. En fait, c'est pas un joueur qui marque beaucoup, mais c'est un joueur qui produit beaucoup. Zivzivadze, Oui, ça doit être ça. Boudou Zivzivadze. Ça doit être ça. Je Ça doit pense être que ça. tu parles de lui, ouais. Mais alors, Mais c'est un joueur qui vas-y, vas-y, produit vas-y. beaucoup, qui est, je crois, un des meilleurs, un des joueurs en fait qui produit le plus et qui frappe le plus au but. Qui produit voilà énormément. Et qui, je crois, aussi dans les passes clés, donc les dernières passes avant une frappe, souvent. Et c'est lui qui les fait. Ouais, bah oui. Ouais, les passes cruciales, effectivement, Ouais. ce qu'on pourrait appeler l'avant-dernière passe. C'est Mais ça. alors, on parle de la Géorgie en mode, bon, est-ce qu'ils font zéro ou est-ce que peut-être ils font un petit truc? Mais on parle 3 secondes de la Tchéquie. Bah, Tchéquie, bon. Prix. Ouais, ah oui, vraiment 3 secondes en fait. Ok. Non, non, J'ai bah pas grand-chose après. à dire sur la Tchéquie en vrai. Hein. Bah, c'est vrai que c'est pas une équipe qui a de grands noms. C'est pas une Thomas équipe qui a non Souzek, plus. Patrick Schick. Ouais, non, mais je veux dire de grands noms, vraiment, tu vois, je te parle. Parce que là, par exemple, Kvaratskhelia, le gars, il a appris à l'Europe du foot à prononcer son nom. Ouais, C'est ce que je veux dire. c'est vrai. C'est ça, il y a des joueurs comme ça, on a appris à prononcer leur nom. C'est ça. Voilà, il y a des joueurs qui ont appris, qui ont. Qui, genre en mode, oh le prénom Erling, je connaissais pas quoi, je savais pas qu'Erling c'était un prénom. Ralente. Non mais voilà, mais c'est des trucs comme ça, t'as des joueurs, et voilà, c'est Lamine, je savais pas que Lamine c'était un pronom, c'était un prénom, tu vois. Enfin, c'est des notions comme ça. Ouais. Romelu, voilà, enfin pareil, tu vois, il y a des noms comme ça où bim, c'est de la stature quoi.
C'est C'est vraiment ça. les gars peuvent être titulaires dans quasiment tous les clubs d'Europe. Maintenant, bon bah c'est vrai que la République, Faut y mettre le prix, quoi. c'est ouais, c'est vrai qu'il y a pas, c'est qu'il y a pas de grand nom quoi. Non, enfin je sais pas. Après la Tchéquie, alors on dit République Tchèque, c'est Tchéquie, hein, officiellement c'est Tchéquie, ça y est. Tchéquie, c'est Tchéquie, on parle de Voilà, Tchéquie. c'est Tchéquie, c'est Tchéquie. Non, bah après, honnêtement, ouais, non, je serais pas trop. Après, là, franchement, même juste en regardant les joueurs, ouais, quoi, j'ai pas de nom qui me viennent. Après, j'ai l'impression, en fait, de limite voir des noms que j'ai déjà vus dans le passé. Tu vois? Genre, tu vois, Stanek, par exemple. Stanek, le gardien qui vient du Slavia Prague. Bah, tu vois, hop, je saurais pas trop te dire, tu vois. Derrière, ouais, même les noms, enfin, je veux dire, même le capitaine Thomas Soucek. Ok, il joue à West Ham. Et bon, bah, West Ham est quand même qualifié en Ligue des Champions cette année. Mais, tu vois, là, pour le coup, bah oui, West Ham. Tu me vois avec Astonjilla? Allô? Tu Ouais, me vois avec allô, ouais. Astonjilla? Oui, pardon, pardon, oui, pardon, 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 pardon. Oui, oh, pardon, les couleurs, pardon, pardon. Ouais, j'ai une mémoire visuelle. Ouais, mince, 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 mince. Bah, Parce que ok, West bon, Ham est bah. 9ème. West Ham, ils joueront la première la saison prochaine, hein, mais pas plus, tu vois. Pardon. Ouais, non, non, pardon, pardon, pardon. Je confonds. Effectivement, non. Mais, bon. Du coup, ouais, bon, bah, la Tchéquie. Même dans leurs résultats, ok, dans les éliminatoires, bon voilà, c'était un petit groupe, voilà quoi, c'est malgré tout, la Tchéquie, c'est quand même un pays qui peut sortir, même sans Petr Cech et Pavel Nedved, ils peuvent avoir la cohésion, ils peuvent avoir le mental, enfin c'est. Pour moi, la Tchéquie, c'est un des pays vraiment parmi les grands oubliés du foot, quoi. C'est derrière les pauvres, enfin, genre, ils sont jamais étincelants. Et en fait, ils sont jamais étincelants et ils sont jamais humiliés. Tu vois, il y a des pays qui, par exemple, ok, on parle de Chypre, on parle de Saint-Marin, on parle des îles Féroé, ils se prennent des 9-0, ah, Gibraltar, 14-0, très bien. Ça, ce sont des équipes, on les a en tête parce que, bim, on sait qu'on va pouvoir hausser les stats. Il y a des équipes qui montent, 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 et puis pouf, ça se casse la tronche. Donc il y a l'Italie, on a parlé de l'Allemagne, même si bon, c'est très mal payé pour nos voisins. Et voilà, enfin, je veux dire, champion d'Europe, et bon, bah, les gars, et à chaque fois, ils tombent sur le groupe de la mort, les Allemands. Mais pour le coup, la Tchéquie, c'est vraiment l'équipe, genre, à l'Euro, c'est une équipe middle. C'est vraiment une équipe de milieu de niveau. C'est vraiment, genre, ils méritent d'être là. Mais en même temps, il n'aurait pas été là. C'est moins choquant, ça aurait été moins choquant que l'absence de la Suède, par exemple. L'absence, certes, pour des raisons politiques, de la Russie. Parce que, effectivement, la Russie n'est pas là. L'Islande, bon, bah, aïe pour eux, ils ont eu leur pic et ça y est, c'est fini. La Grèce, la Grèce, ça fait mal, leur absence, ça fait un peu bizarre, hein, je dois le dire. Hein. Ouais, c'est vrai que Mais c'est bon. quand même assez étrange. Mais voilà, pour le coup, bon bah la Tchéquie, c'est une équipe, voilà, c'est vraiment genre middle quoi. Ils sont Ils là. n'ont pas d'individualité qui vraiment, vraiment sort du lot et en même temps, voilà quoi, il n'y a pas non plus, ils sont pas honteux. Voilà. Ah et pardon, oui et aussi pourquoi il y a de la cohésion en Tchéquie? Parce que globalement, la plupart des joueurs viennent de deux clubs, le Viktoria Plzeň et le Slavia Prague, équipe qu'on voit régulièrement en C1, C3 ou C4. Donc forcément, voilà, c'est un peu le même truc que l'Égypte, qui va avoir la plupart de ses joueurs de Zamalek ou de Al Ahly. Voilà, il y a des pays comme ça qui ont beaucoup de joueurs qui sont dans un ou deux clubs locaux. Vraiment, et là, c'est le cas, hein, pour le coup. Je compte le nombre de joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, ils ont 15 joueurs qui sont
dans le championnat local, soit à Pilsen, soit à Prague. Et c'est même pas les autres clubs. Il n'y a pas de joueurs d'autres clubs tchèques. Ouais. Vraiment, c'est que ces deux-là. Ouais. C'est voilà, enfin. Bon, ça peut aider. Niveau cohésion, ça peut aider. Du coup, bah la Turquie, bah, ils ont ce même élément de. Ils ont mais après la Turquie, ils ont du ballon en vrai. Voilà, je veux dire de quelques clubs qui fournissent la plupart des joueurs. Tu vois, mine de rien, effectivement. La Turquie, tac. Bon, bah, c'est Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Allez, pardon, faut pas oublier Trabzon. Ok, Trabzonspor, il y a un joueur. Ok. Mais la Turquie, par contre, voilà, ils ont du ballon, ils ont. Arda Güler. Non, pour. ouais. Non, pour le coup, ouais, c'est pas mal, quoi. Mmh. C'est pas mal. Ouais, c'est ça, il y a des choses. Des choses qui sont bonnes aussi en Turquie, donc c'est pour ça que je les vois, pour moi, finir pas facilement, mais voilà. Pour moi, ils sont deuxième, hein. Pour moi, ils sont deuxième, du coup. Pour moi, deuxième assez tranquillement, au vu aussi du Portugal, comment ils ont dominé leur groupe de qualification, et qu'il y a eu... Portugal, c'est 9 points. Ah, le Portugal, c'est 9 points. On va en parler, franchement, Portugal-Turquie, peut y avoir bataille, hein. Non, pour moi non. Ils sont non, si. Pour moi, ils sont une galaxie au-dessus, le Portugal. Je suis désolé, mais ils sont une galaxie au-dessus. Ok, parlons du Portugal alors. Je vais juste dire un truc pour le Portugal. Ils ont pour moi l'un des Wonder Kids de ce tournoi. Léao. Non, je dis Wonder Kids. J'ai dit Wonder Kids. Bah, vas-y, Léo, il est confirmé. Félix. Hein. Non. Francisco Contessao. Ah. Lui, cet enfant là. quand il y avait les rumeurs là, concernant Contessao à l'OM, le coach, là, Sergio Contessao, je disais, c'est dommage, il peut pas emmener son fils avec lui, tu vois. Parce ouais, que lui, fou. Il sera pas titulaire, mais t'inquiète pas que quand il va rentrer, il va dynamiter la défense. Attends, faut parler 3 secondes. Là, t'as en attaque, t'as quand même Ronaldo. D'ailleurs, Ronaldo, pour le coup, tu peux pas le déloger, quoi. Enfin, je veux dire, le gars à 39 ans, il te tape des crochets lucarnes, il te tape des retournées, il te tape des matchs de 120 minutes à haute intensité. Franchement, autant on peut dire ce qu'on veut, hein, du foot saoudien, mais cette finale Al Nassr Al Ahly. Non, c'est Al-Ittihad, dans le club de Neymar. Al-Hilal, parce que la moitié. Ah, finesse, parce que la moitié des clubs. Enfin, dans tous les pays arabes, il y a un club qui s'appelle Al-Ahly. C'est assez perturbant, je vous le cache pas. Mais bon, en tout cas. Non, mais en plus, voilà, je veux dire, je parle arabe, donc pour le coup, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Non, mais t'as Ronaldo. Derrière, t'as João Félix. T'as Rafael Leao. Diogo Jota, Gonzalo Ramos, tout ça pour moi. Diogo Jota, et puis derrière, t'as Gonzalo Ramos qui commence à montrer de belles choses avec le PSG. Il a que 22 ans. Ben oui, c'est ça. Et ensuite, t'as un des nombreux joueurs portugais de Wolverhampton, Pedro Neto, et donc Francisco Contessao. Non, pour le coup, c'est vrai que le Portugal a toujours eu cette tradition de foot portée vers l'avant. C'est vraiment, quand tu regardes, je veux dire, les gars, ils ont eu Pauleta, ils ont eu Figo, ils ont eu, plus loin, ils ont eu Eusebio, ils ont eu Nani. Même au milieu, là, le milieu du Portugal, il me fait peur. Hein. João Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Danilo. C'est du ballon, ces garçons-là. Okay. Non. Ok, Fernandes, Silva, Neves, je suis d'accord. Alors Ruben Neves, oui. Nunes, voilà, qui joue d'ailleurs à Lilal, qui a affronté effectivement Ronaldo dans cette fameuse finale perdue au tir au but. Mais c'est moins. Je préfère le milieu de la France, tu vois. Je préfère le milieu français. Ouais. Et le milieu français avec.
Kanté en manque de rythme, même si bon, ça reste Kanté, le mec il s'entraîne et tout. Sans comment il s'appelle? Putain, la perte de Pogba, vraiment, enfin, la déchéance de Pogba, ça me déchire. Mais Ouais, bon, c'est c'est un clair. autre, c'est un autre sujet. Pogba Kanté, si les deux sont là, c'est le meilleur milieu du monde. Hein. Mais ah, et rajoute Griezmann. Et Franchement, rajoute Griezmann, Griezmann, c'est n'importe voilà, quoi. waouh, le punaise. Et dire qu'on l'a jamais vécu. Le trio de milieu, Kanté derrière, Pogba, il peut aller un peu à droite à gauche. Et Griezmann qui va aider les attaquants devant, on l'a jamais vu quoi. Ça Aïe, me rend ça triste, hein. fait tellement mal. Ah ouais, non, c'est terrible. Mais ouais. Bon, bah, du coup, on va après, effectivement, bon, Portugal, bon, ok, le Portugal très très puissant, avec quand même toujours Rui Patricio en gardien. Le gars, enfin, ça fait tellement longtemps qu'il est là quoi. C'est peut-être le moins Non. bon du 11, Non, hein, non, Patrick. c'est Diogo Costa qui a pris la relève. Ah bon? Oui, qui prend Bah la relève, oui, mais je veux bien dire, sûr. il est toujours là. Il est là à 36 piges, c'est ça que je veux dire, quoi. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont des lacunes, ils ont des carences niveau gardien le Portugal. Heureusement qu'on n'a besoin que d'un gardien sur le terrain. Et Exact. waouh. Et Pépé qui est toujours. J'avais oublié qu'il est là, Pépé. 41 ans. Waouh, Ouais, puis punaise. apparemment fait Mais c'est des. le. Mais il a Apparemment encore fait bu, des mais oui, super il a bêtes. encore bu. Il a Mais ouais, 41 c'est ans, assez ce mec, dingue. hein. Mais ouais, non, mais après, la manière qu'il a joué, ce qui est bien, c'est que Pépé, c'est pas le gars qui va courir partout. Je veux dire, c'est un défenseur qui anticipe. Mine de rien, l'anticipation, ça te permet d'économiser énormément d'énergie. Quand tu sais à peu près sentir où va partir Ouais. l'attaquant, etc. Et même parfois, tu sais le gêner. Et en plus de ça, Pépé, il met des coups. Faut pas l'oublier, hein, c'est l'un des joueurs les plus agressifs du monde Réel. Ouais. à haut niveau. À haut niveau. Je suis d'accord. Voilà. Mais bon, du coup, bah, on a fait le tour. Non, on a oublié. Non, on a oublié une équipe, les gars. On a oublié une dernière équipe. On a oublié l'équipe de Reims. Ah ouais. Donc l'équipe de Reims, effectivement. Bon bah la liste là on est à 24 heures. On est à 24 heures de l'euro. Mais ils ont toujours pas donné leur liste quoi. C'est vraiment enfin genre il y a des hésitations entre plein de joueurs et pourtant ils ont du niveau, il y a même des joueurs qui reviennent. C'est-à-dire que mine de rien en équipe de Reims, bon bah on oublie franchement on oublie Pécrette quoi. Mais Pécrette c'est un joueur mais enfin, franchement, il est capable de gifler les adversaires sur le terrain, faut pas l'oublier vraiment. Alors ok, sur Transfermarkt, il est qu'à 5 millions d'euros. Mais quand même, franchement, Pécrette, c'est faut pas oublier, c'est le joueur préféré de Marseille. C'est pas pour rien, tu vois. Après, c'est vrai que bon là, voilà, il reste très exactement 73 heures avant la fin avant non, il reste 2 jours avant la fin du dépôt de liste. Mais waouh quoi, enfin, c'est terrible. Franchement, après derrière, qui va être pris, qui va être mis, tu vois, par exemple, qui va être mis en défense, tu vois. Mine de rien, enfin, quel jeu, quel style, quelle tactique va faire l'équipe de Reims quoi. Est-ce que derrière, tu vois, genre, par exemple, en défense centrale, est-ce que le Niçois Crotty va Elle est vouloir longue la genre vanne là, tenir elle est longue là, là on s'ennuie là. Mais t'es con quoi. Ah merde, il avait pas le mémo, il avait pas le mémo. C'est vrai, on l'a pas prévenu. Non mais effectivement, tu vois, genre Crotty le Niçois, est-ce qu'il va être capable de diriger cette défense? On sait pas. À Est-ce que voir, à voir, derrière à ça va voir. jouer en bus? Est-ce que ça va jouer en bus effectivement? Ou alors, ah, il nous surprendrait peut-être avec un style de jeu plus à l'italienne, tu vois, vraiment catenaccio, genre mode personne, personne ne passe. Vraiment, tu traces une ligne, il n'y a absolument personne qui passe. Tu vois, bon, voilà, un style à l'italienne, bon, est-ce si surprenant de la part d'un Niçois? Pas sûr. Mais bon, non, franchement, je sais pas. En plus, tu vois, il y avait des polémiques. Bon, qui va rejoindre la Super League? On va Tu voir ça, vois, on genre, va voir ça. effectivement. Il y avait cette question, donc il y a Crotty, il y a Général aussi, tu vois, il y avait la question qui se posait. Et bon, la notion de est-ce qu'on bannit les joueurs qui vont en Super League?
Tu vois, il y avait cette question-là. Est-ce qu'on bannit les joueurs qui vont en Super League? Ah, et derrière, on voit, ouais, mais légalement, on ne peut pas bannir les joueurs qui vont en Super League. Ce n'est pas écrit dans les conditions, etc., dans les règles. Enfin, mine de rien, il y a une polémique, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr vraiment que l'équipe de Reims puisse aller très loin dans cette compétition, dans ce climat-là. En plus, bon, bah, on voit, mine de rien, l'intérêt du peuple français. Bon, bah, les droits télé, ils n'ont pas été achetés pour très cher, ils ont été achetés sur la fin, quoi. C'est mine de rien, voilà, enfin, les droits télé, il n'y a que NTM TV qui était intéressé pour acheter les droits de l'équipe de Reims. Et bon, bah, le reste, ça n'intéressait pas, vraiment. Non, c'était quelque chose. Voilà, après, On va passer aux joueurs sur à cette suivre. équipe de. Les joueurs à suivre. Bon, Non, ouais. bah après. Non, non, mais en vrai, les joueurs à suivre. Alors, c'est assez surprenant parce que derrière, en fait, il y a dans cette équipe de Reims Non, non, des joueurs. plus sérieusement, on peut passer aux Non, mais c'est joueurs. bon, frère, on On peut peut plus passer aux là. joueurs. On peut passer aux Vraiment, joueurs ça à fait 2 heures suivre, qu'on quand est même. là, on s'ennuie. On va passer aux joueurs à suivre, quand même. Quentin, tu veux Ouais. commencer? Je vais commencer. Ton joueur à suivre? Même si je Qui? pense que Quentin? Ah. Si tu bon, je sais quel joueur tu vas citer, mais bon. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Pour moi, le joueur à suivre de la Bah. compétition, ce serait Kvaratskhelia. Parce que premier euro, parce que première compétition internationale pour son pays, parce que joueur extraordinaire et qui, pour moi, est vraiment le joueur à suivre sur cette compétition. Parce que c'est un grand joueur qui joue dans une petite nation. Et ce serait intéressant en fait de voir ce qu'il est capable de faire. Donc pour moi, il y a lui. Et puis bah, il y a le retour de Mbappé hein, à suivre. Hein, Peut faire de plus qu'il a déjà fait lui en vrai. Bah justement, faire mieux. Le mec qui blinde un Bah ouais, triplé en non, finale c'est de la Coupe du qu'il Monde, lui manque un enfin. truc. Bah il manque l'euro. Il Oui. lui manque l'euro. Vanille, Voilà. toi, ton joueur à suivre pour moi dans pour toi dans le joueur dans ce mois d'euro. Qui est pour moi Ouais, ton Harry joueur à suivre. Kane. Harry Kane? Harry Kane. Ouais, vraiment, c'est-à-dire que on l'oublie, mais Harry Kane, voilà, enfin, il pèse quoi. Déjà, bon, bah, meilleur buteur de Bundesliga malgré le Bayer Leverkusen. Derrière, bon, bah, il a la dalle. Il y a le côté punaise, on s'est foiré contre les Bleus avec ce fameux péno qui lui a fait faire des cauchemars autant que Kolo Muani pendant le premier trimestre de 2023. Non, non, pour le coup, voilà, c'est Harry Kane, vraiment, on l'oublie trop facilement. Alors, ok, si on regarde les stats, si on regarde les stats, ok, les gars qui marquent le plus, c'est Mbappé, c'est Ronaldo, c'est Lukaku, ok, super. Mais Harry Kane, Il on plante. l'oublie, quoi. Ok, il a pas gagné de trophée, certes. Mais derrière, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Franchement, tu sors un match, un petit Allemagne-Angleterre maintenant, là, qui en plus peut arriver techniquement. Si l'Angleterre finit deuxième de son groupe et l'Allemagne premier, bam, huitième de finale à Dortmund, ça peut arriver totalement. Mais non. Pour le coup, ouais, pour moi, il y aurait Harry Kane. Après, dans les joueurs plus méconnus, enfin, plus méconnus, pas forcément plus méconnus, mais ouais, Dumfries, quoi. Dumfries aussi. Puis comme connu, hein. Il nous a fait chier, Dumfries. Hein. Oh, Dumfries, Il nous a. Bref, il faut expliquer. C'est. Non, mais voilà, enfin. Il y a ça quoi, c'est. Non, je sais pas, c'est. Après, voilà, bon, effectivement, tu as parlé de Kvaratskhelia, bien sûr qu'on attend avec impatience ce qu'il va faire, c'est sûr, on l'attend. Maintenant, vous savez quoi? Eh ben moi, j'ai envie de vous dire que du côté de l'Ukraine aussi. Hein, J'ai deux joueurs à suivre perso. Mudryk et Dovzhik aussi, pas Ouais. mal. Moi j'ai deux joueurs à suivre et je suis surpris qu'ils ont pas été cités. Alors, je termine juste ma phrase, hein. Vas-y, 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 vas-y. Lounine. Voilà, Oui, juste Lounine. pour l'Ukraine, voilà, Lounine, il méritait de gagner une finale de Ligue des Champions titulaire. Faut qu'il le prouve. Voilà. Mon premier nom cité.
pensais qu'il allait être cité avant. Pour moi, c'était Gianluca Scamacca. Ouais, L'attaquant italien, c'est... D'accord. c'est. Pour moi, il saute Immobile de très très loin. Genre, il est beaucoup trop fort cet enfant. D'accord. C'est vrai que l'Italie est là, est à l'euro. L'Italie J'ai est là, oublié. et je pense qu'avec Scamacca, il peut faire un truc. Ouais. Et Et deuxième... deuxième non cité, Bradley Barcola. Bah oui. Oh, bah oui, bien sûr. Parce que Barcola, ça fait un an que je veux le voir en équipe de France. Maintenant, Ouais. il a intérêt à prouver, déjà d'une. Mais en vrai, et là, c'est un truc, c'est une réflexion que je m'étais faite, et la vidéo de Willum l'a confirmé, c'est que Barcola, ça peut être le premier gars qui peut rentrer à chaque fois pendant un match. Un peu à l'instar de Fekir en fait En 2018, ouais. en 2018 ouais. Dans le sens où Ouais. Giroud, il a quoi? Il a 37 ans. Il a plus 90 minutes. Il aime Ouais. pas Mbappé, il aime pas ça. Mais tu le fais glisser en neuf. Parce que bon, Marcus Thuram, bon voilà, il fait speak. Bah Marcus ouais. Colomwani, le jour où il va réfléchir, pareil, où il lâchera sa balle, pareil. Voilà. Barcola, tu le glisses à gauche. Mbappé en neuf. Coman ou Nembouz à droite. Si la défense Ouais. n'a pas explosé, elle explose quand Barcola rentre. Exact. Ouais, bah ouais, parce qu'en plus tu conditionnes la défense sur un style de jeu. Barcola, c'est genre un demi Neymar. Quand il arrive sur le terrain, honnêtement, genre il te sort des dribbles un peu venus de nulle part comme ça. Je dis bien demi, hein, il manque quand même un truc, notamment l'art de la passe. Mais franchement, Qui? À ouais, il Barcola? compte. Il, tu... Pardon? À Oui, Barcola. Barcola, il manque. Barcola, il manque. Je sais pas, déjà il manque de la précision devant le Il but. est encore jeune, il est encore jeune. Je peux pas lui en vouloir. Et oui, voilà. Bien sûr, non, mais bien évidemment, je lui en veux absolument pas. Et Mais. en fait, dans le même genre que Barcola, je vois Doku, tu vois. Ouais. Doku, Ah ouais, bah ouais. Barcola, les deux, ils font exploser des défenses. Genre. Ouais, bien sûr. Puis, bah, Après, bon, on je. parlera plus en profondeur de l'équipe de France, mais je suis tellement envie que Dembélé il se réveille. Mais voilà, c'est tout. Fin de la phrase. Ouais. Bah, je pense que bah, là ça fait 2 heures, un peu plus de 2 heures qu'on est là, donc on va s'arrêter pour ce soir. Ouais. Merci à tous d'avoir été là, que ce soit bah, en live, que ce soit sur le replay, que ce soit sur le podcast. Le podcast il dure 2 heures, donc force à vous les refs. Yes. De toute façon, c'est le genre de truc qui est assez écouté dans le transport en commun, tout ça. Non, Rabiot, il est là. Rabiot, il sera remplaçant, c'est pas un problème. Je pense quand même que ce sera Kamavinga sera plus titulaire devant lui, déjà que. Clairement, Kamavinga pourquoi pas? est plus titulaire, et je pense que même Tchouaméni est devant Rabiot dans l'histoire aussi. Bah ouais, hein. Rabiot, Tchouaméni. ça fait longtemps qu'il a plus montré de choses solides, quoi. Bah en équipe de pourtant à la Juve, franchement, c'est pas mauvais. Ah bah oui, mais bon, il faudrait déjà qu'il se trouve un nouveau club pour la saison prochaine. Mais je n'en fais pas pour lui. Surtout, on va conclure pour ce soir. Merci Quentin, merci Vanny d'avoir été présent ce soir. Rien. Merci à toi Yes, pour alors je vais juste l'invitation. rappeler le. Ouais, pardon, je vais juste rappeler le programme de. Donc là, de demain, de samedi et de dimanche. Donc demain, on a un seul match. C'est le match d'ouverture, 21 h, en direct de Munich, Allemagne, Écosse dans le groupe A. Ensuite, samedi à 15 h, on a Hongrie, Suisse, deuxième match du groupe A. Puis à 18 h, Espagne, Croatie. C'est là où on va voir le niveau des Croates J'ai raté ce match. dans cette compétition. À 21 h, Italie, Albanie. Et dimanche, on aura dans le groupe D, Pologne, Pays-Bas, le match qui nous concernera directement en français. Ouais. Puis à 18 h et à 21 h, groupe C, donc 18 h, Slovénie, Danemark, et 21 h, Serbie, Angleterre. On se retrouve demain à 21 h en live. Et puis bah sur ce, très bonne fin de soirée. 23 h. Vingt-trois heures, tu veux dire? Oui, 23 h, ce que j'ai dit, Bah 23 h. oui, parce que 20... Non, t'as Oui, dit 23. 21. Ah, pardon, 23 h, pardon, Yes. 23 h. On se trouve demain à 23 h pour Yes. la. Bah, aujourd'hui c'était que l'épisode 0 du Late Euro, puis on se trouve demain pour 21 h Bon pour la première du Late Euro. Bonne soirée et à ciao!